Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On reprend nos sessions sur Tezos The Elder Scrolls Online en compagnie d'une équipe absolument incroyable. Ils sont posés à côté de moi, sauf Elise qui veut pas venir avec nous, hein, je tiens à le préciser pour la VOD, voilà. Et... Détestez-moi. Je suis avec Bobleton. Bonsoir, nous sommes là, nous sommes beaux, nous sommes musculeux. Des poils, des muscles ou des écailles, il y en a pour tous les goûts. Et donc, désastre. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir à tous. Et quelque part, Elise. Bonsoir. Là, en tout cas, on est en train de leur donner un sorbet coupe trois boules, j'ai envie de dire. Il y a vanille, chocolat et... Vanille, chocolat et presbyte. Excellent. Trois goûts d'une qualité que vous pouvez encore apprécier chez vous, encore et en famille, pour toujours. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mon cher Crin ? Eh bah, cette information va nous être... donnée par Élise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Élise ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ma chère Élise ? Eh bah, dis donc, tu vois que sans moi, vous êtes perdu. On a une grosse quête juste là, et on est parti pour commencer la quête de Sud Elsewhere. Ah oui ! C'est vrai que la dernière De Sud Elsewhere. Du Sud Elsewhere, petit. Alors par contre, on avait été Saïsaran, le nain rouge-garde le plus vénère et le plus barbu de tout bordel ciel. Enfin, pas bordel ciel, du coup, c'est Autroche. Attends, barbu. C'est pas Autroche. Comment s'appelle la contrée Amerfel? Le désert Alikir. L'enclume. Ou non, Martefel. Pourquoi le nain? Le désert Alikir. Je sais pas. Je répète. Bah, en fait, le désert Alikir. Oui, déjà Alikir, c'est bon, casse pas les couilles, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, pourquoi le nain? Parce que, globalement, on a vrai, mais depuis ma vue intérieure, tout le monde fait trois têtes de moins de moi. Du coup, c'est toi le géant. Il a des biceps plus larges que ses cuisses. Pour moi, ça compte. Si tu veux, à partir de là. C'est des cuisseps. C'est des cuisseps. Mais c'est vrai qu'il a la classe des nains des Il prestige à donf, Saïsan. Hein. Il est là, il est musculeux. Et la dernière fois, nous avions récupéré la corne d'un dragon ancestral qui avait le pouvoir de s'auto-recharger sans nécessité de source d'alimentation extérieure ésotérique ou thaumaturgique. Donc c'était la max. Qui cette semaine nous fait les 3-2-1 de l'amour? Désastre. Allez. Désastre, faire les 3-2-1. Ouais, ça m'immunise de lire les livres, c'est bon. Ah non. Ça s'immunisera contre rien du tout. Ni le champ, ni le lit, ni le temps, ni rien du tout. Allez, vas-y, presbyte nous. Ok. Allez, mais 3-2-1, clic. Le moment est enfin venu, mon ami. Nous avons à présent les moyens de résister à l'invasion des dragons et de sauver Elsewhere de la ruine. Et tout commence ici, à Sanchal. Si vous désirez encore m'aider, bien sûr. L'invasion des dragons, moi ça ressemble plus à une attaque parce qu'ils ont pas l'air de s'installer, si tu veux. Bah, ils s'installent pas ailleurs. Enfin, je veux dire, si on les voit que en Elsewhere et pas autre part, c'est qu'ils sont installés en Elsewhere, donc une invasion. On les voit dans les autres zones. Qui commence? Vas-y. C'est les As qui choisit l'ordre. Et du coup, il a dit moi? Ouais. On fait Elise, Crane, Bob, désastre. Ok. Ok. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Un dragon niche dans une île voisine. Je crois qu'il compte attaquer Sanchal. Nous devons tuer la créature avant qu'elle ne frappe. Malheureusement, il n'y a pas un seul navire dans la ville qui accepte de nous mener à son repère. Croyez-moi, je leur ai demandé. Et quelle est la prochaine étape? On y va à la nage? Le général Renmus, chef des forces militaires de Sanchal, pourrait réquisitionner un navire pour nous mener jusqu'à l'île. Nous devons obtenir un rendez-vous avec lui pour le convaincre de nous aider. Qu'en dites-vous, guerrier? Allez-vous m'aider à tuer ce dragon? Ouais! Nous allons vous aider à éliminer cette menace. Rencontrer un général impérial est plus facile à dire qu'à faire. La paperasserie peut déjà prendre des jours, et le dragon que nous cherchons pourrait attaquer la ville d'un jour à l'autre. Alors, j'ai trouvé une méthode alternative. Il faut l'administration, quoi. Il faut un permis pour attaquer un dragon? Bah, faut croire. Pour un permis bateau? Un permis lézard, un permis créature exotique. Presbyte. C'est tout ce qu'il sait dire, c'est un Pokémon. En quoi consiste la méthode alternative? Votre aide est cette poignée de pierres précieuses.
D'abord, vous devez soudoyer la scribe de Renmus, Nadama, pour qu'elle nous insère dans l'emploi du temps. Vous la trouverez à la taverne. Ensuite, vous devez parler à Darku, au faubourg de la ville, au sud. Il pourra nous créer de faux documents. Il va falloir qu'on prenne un rendez-vous et tout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est voilà la mairie. Sur soit ton mail, votre passeport n'a pas encore été renouvelé. Mais surtout, c'est ça, mais surtout, va se falloir qu'il nous insère dans le rendez-vous. Donc, on va écraser un autre rendez-vous. Sans doute le rendez-vous des orphelins de la cité qui demandaient s'ils avaient le droit de construire leur orphelinat, si tu veux. Mais c'est pas. Qui ont demandé il y a 2 ans, tu sais. C'est ça, c'est ça. Autre chose ? Vous devez aussi retarder Arniel Branck, qui a rendez-vous avec le général. Le navire d'Arniel vient d'accoster. Si vous volez le manifeste de sa cargaison, le maître des quais le retardera certainement. Mais nous laissera le temps de discuter avec le général. Soudoyer la scribe, payer le faussaire et voler le manuscrit, j'ai compris. S'il est qui le veut, puis, tout se passera bien. Et notre rendez-vous avec le général Renmus commencera sans problème. Retrouvez-moi au palais lorsque vous aurez fini. De mon côté, je vais apprendre tout ce que je pourrai sur la chasse aux dragons à venir. Putain, il nous baise quand même à Saïsan. Il arrive ? Alors, mon ami, prêt pour la chasse aux dragons ? Ouais ! Très bien. Remplissez ce formulaire, commettez une fraude fiscale, planquez votre argent en Suisse et allez aux Seychelles. Nous nous retrouvons là-bas. Mais je... Ah, et rajoutez ce petit paquet de poudre dans vos affaires, mais ne dites rien surtout, ça ne vient pas de moi. Ah bon ? Je suis persuadée d'avoir déjà entendu ce doubleur dans un jeu de mon enfance, mais j'arrive absolument pas à remettre lequel et ça me rend pas. C'est sans doute un daron infini qui a 70 piges et qui a une voix d'enculé qui... C'est pas un mec qui fume des Marlboro. Le mec, en fait, il génère des Marlboro. Quand il respire, il y a des Marlboro qui apparaissent autour de lui. Il les fabrique avec sa voix. Le cri de dragon, Marlboro. Et Pam, ça fait une cartouche. Et tu sais, t'as le bébé en face, boum, il a un cigare, si tu ne comprends pas. Ok, très bien. Je pense qu'on les fasse tous, parce qu'on ne connaît rien à l'endroit où on se trouve. Allez. Oui. Parlez-moi de la situation à Seychelles. Les dragons ont déjà ravagé les villes voisines, et les réfugiés affluent à Seychelles. Ils espèrent que ces murailles de pierre arrêteront les dragons. Mais les dragons attaqueront bientôt Seychelles. Mais c'est très con, un dragon ça vole. Ça vole, c'est ça. Mettons des murs, mais... Moi je fais parce que... Enfin... Et vous pensez que c'est le dragon sur cette île qui attaquera ? Sinon, il ne s'installerait pas aussi près de la ville. Je pense que le dragon évalue les défenses de Seychelles et attend le bon moment pour frapper. Nous devons le tuer avant qu'il en ait l'occasion. Et vous pensez que le général Renmus nous aidera ? C'est ce que j'espère. Quel que soit le risque, la meilleure option serait de tuer ce dragon sur sa propre île, loin des innocents de Seychelles. Espérons que le général sera sensible à cette logique. Et avez-vous encore le corps de Jadari ? Bien sûr. Je ne pourrais guère vous demander de venir au combat avec moi sans lui. J'ai aussi pu m'entraîner avec le corps du dragon et m'harmoniser à ses pouvoirs et ses limites. Oh le mec, il a fait du slam avec et tout. C'est maintenant il peut faire un combo. Il commence à faire un solo de saxophone. C'est avec le corps. Moi je le vois faire Sakura. qu'avez-vous appris de tout cela? Nous savons que le corps de Jadari peut forcer les dragons à se poser. Je pense aussi qu'il est pratiquement indestructible. Mais le corps a besoin de temps pour reconstituer sa magie après une utilisation. Et on me confirme que c'est la voix de Teal'c dans Stargate. Oui, tout à fait, et c'est un doubleur qui est très connu. Oui, Thierry Mercier. Mais je sais toujours quand même pas le jeu dans lequel je l'ai entendu. Il a plus de prestige en Saïsahan qu'en Teal'c. Voilà, je l'ai dit, on avance. Et par contre, sur sa photo, là, j'ai regardé tout à l'heure, on dirait Daniel Balavoine. Putain, mais... Genre vraiment, jeunes années de Daniel Balavoine. Par pitié, lis les suites des dialogues, arrête de passer ta vie sur... Mais ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, je l'ai trouvé sur Tinder, il est disponible. Il propose pour un prix de transformer tout mon mobilier en clope. Non, t'as juste pas le droit. Genre, ferme-la, toi. Vas-y. Des taquets, je vais te mettre des taquets. Qu'est-ce que ça signifie pour le combat ? Je ne peux utiliser la corne que de manière occasionnelle au combat.
Mais hormis cette limitation, cela reste une arme puissante. Elle nous aidera grandement lors de nos chasses à venir. Faudra que ce soit des astres qui fassent les rappels alors, parce que moi, si je dis quelque chose, on va dire que je suis rabat-joie. Toi, si tu dis quelque chose, on va dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Des astres, ouais, toi, tu es neutre. Je suis la Suisse. C'est ça. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il peut pas faire les rabats. Tu peux, crains. On t'aime quand même. On t'aime pour être l'adulte responsable. c'est pas un souci. Est-ce enfin, sinon, arrêtez de parler entre les dialogues, s'il vous plaît. Pardon. vas-y. Comment il voulait élaborer le plan pour rencontrer le général Drenmus ? Je n'arrive même plus à parler du coup. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à raconter à un homme respectable doté d'une barbe distinguée. Prenez Nadama par exemple. Il paraît qu'elle cherche un moyen de quitter Sanchal depuis des semaines. Quelques pierres précieuses lui permettraient de payer son passage. Et notre faussaire, Darku ? Ce vantard-là, ça a été facile de le cerner. Je l'ai entendu dans la taverne dire qu'il pouvait falsifier n'importe quel document de Sanchal, moyennant finance, bien sûr. Voyons s'il est vraiment si doué que ça. Et Arniel Branc, pourquoi faut-il voler le manifeste de son navire ? Tous les navires qui accostent à Sanchal voient leur cargaison inspectée, à moins de présenter un manifeste de cargaison en bonne et due forme. Si vous volez celui d'Arniel, il sera retenu plusieurs heures par la douane. Cela nous laissera le temps de discuter avec le général. Ah, donc ce qu'on recherche, c'est pas la cargaison en elle-même, c'est le carnet de... Ouais, c'est la perte de temps, quoi. Non, le livre de compte, le truc qui dit qu'est-ce qu'il y a à bord, en fait, le papier. Oui. Ah, c'est ça. Oui, mais c'est pour qu'il perde du temps. Oui, mais je croyais qu'on allait voler la cargaison. Et pour moi, je me disais, putain, alors, attends. Faut tout porter, là. C'est ça, on vient avec un camion de déménageur, si tu veux, avec un chameau. Ah putain. Et vous êtes certain que tout cela nous permettra d'obtenir un rendez-vous avec le général ? Oui, si Leki le veut. Si nous en avions le temps, j'aurais suivi les voies officielles. Mais les enjeux sont trop grands pour supporter ce délai. Nous n'avons pas le choix, il faut biaiser. Mais stratégiquement, ce serait pas plus intéressant de, genre, défoncer sa porte au général, ignorer la pauvre secrétaire qu'elle a. Vous n'avez pas le droit, il est en réunion. Tiens, on ignore, on ouvre la porte et en fait, il y a une attaque de dragon. Généralement, le mec, il va lever un sourcil, mais il va pas dire « Oui, prenez rendez-vous dans 3 semaines, si tu veux. » Non ? Enfin, je... Je sais pas ce qu'ils ont pensé. Peut-être un mec inaccessible, on sait pas. Je sais pas. Ils ont dit, tiens, on va faire un truc original. On va mettre des quêtes administratives. Non, je sais pas. C'est du génie. Mais avoue, Crane, ça ne surpassera pas, le perso Naruto qui fait fuite et qui disparaît, si tu veux. Je pense qu'il y a rien qui battra ce gars, l'assassin de la confrérie noire ou d'Akamonaton, je me souviens plus, mais voilà. Il était complètement différent. Du coup, allons-y, par où t'es ? Du coup, il faut biaiser. Au revoir. Moi, ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est que le comédien qui double, il ressemble à Balavoine. Voilà. Comme quoi, mais les appartés servent. Ou qu'il change son appart en clope. Putain. Ou qu'il change son appart en clope. Ça l'a touché, ça. Mais Balavoine, j'avoue, je m'y attendais pas. Mais c'est toujours les maigrichons qui ont des voix les plus profondes. Surprenamment. Bah, la voix n'était pas maigrichon. Hein. Sur la fin. Pas souvenir que. L'histoire de Sanchal, présentation des astres. On m'appelle. Non, je déconne. Non, il y a plein de pages. Ouais, je regarde rapidement. La formation de Sanchal, la peste thracienne, la reconstruction de Sanchal, donc on peut déduire que la peste a cramé la ville. Événements récents. Alors, je regarde juste l'événement récent. Des rebelles Khajiit qui ont massacré toute la dynastie royale d'Elsewhere, donc ça on le sait, on a trouvé l'héritière. Et maintenant, il y a des forces impériales en ville qui mènent une forme de milice locale. Tandis que les Khajiit s'efforcent de reconstruire une deuxième fois la ville. Très bien. Oh, l'instrument, il est trop bien, je n'avais jamais vu. C'est pur style, hein. Ouais. Ça s'appelle, hein, ça existe, les petits. Faut aussi, il chante de bon cœur chez vous. Oui, en plus, ouais. Ah oui. Et puis, il chante vachement bien. Est-ce qu'on peut l'écouter 30 secondes ? Oui, on pourrait l'écouter si tu l'as fermé. Mais excusez-moi. Et la championne, c'est l'ange. Avec toute mon affection, cependant. Oui, non, mais. Cordialement. J'en doute pas. Les soldats de rivages inconnus viennent mener notre terrible guerre, flanc contre flanc de notre guerrière. Ils préparent le combat.
Putain, mais ça rime et tout, c'est bien traduit. La noble bête rouge nous offre une corne pour abattre l'ennemi. Son cri fait choix. Ça rime pas du tout chez moi. Bah, chez moi, ça a rimé pendant. Ah, si, moi, ça rime aussi. Hein. Bah, il y a Bandari et Diron. Voilà. Vivon, Bagaron, Mais je pense qu'on n'avait pas forcément la même chanson au même moment. Mais il y a un effort qui a été fait, si tu veux. Et puis, C'est toujours classe, hein, les bardes dans Tazo. Très différent des bardes dans Skyrim. Dans Skyrim, en fait, les voix, les lignes des voix, en fait, sont liées à la musique. Ce qui fait que quand la musique joue, la voix est synchro. Mais le problème, c'est qu'entre chaque couplet, il y a un espèce de. Tu sais, le temps que le PC lise la ligne suivante, t'as une micro-coupure. Oui. Tu vois, et du coup, ça coupe tout. Et c'est dégueulasse. Et c'est le seul reproche que je peux faire là-dessus. Oh, le masque! Ah non, mais c'est pas le tavernier. Oh, c'est un joueur, mais on s'en fout. Quoi, continue. Mais je crois que ça, c'est un joueur, on s'en fout. Non, c'est pas ça, c'est jusque-là. On dirait Miracle un peu, le masque. C'est ça. Avec les dragons qui passent au-dessus de la tête, je ne comprends pas comment les gens font pour voyager. C'est en bas. Mais c'est un plaisir de voir un voyageur avec de l'or. Vous avez de l'or, hein? Oh, la pauvre aubergiste, j'ai presque envie de lui filer 100 balles. Ok. Et nos enfants, que vont-ils devenir? Je ne sais pas. Nous devons le savoir. Il n'y a pas de travail à Sanchal. Comment pourrons-nous les nourrir? Nous ne pouvons pas rentrer chez nous, ma chère. Il ne reste rien. Je sais. J'ai peur. Je ne veux pas que les enfants meurent de faim. Très bien. Alors, je veux pas que les enfants meurent de faim, Et tous ces trucs d'encens, ils vont pas mourir de faim. Je veux pas que les enfants meurent de faim et ils s'assoient automatiquement et commencent à s'empiffrer. Alors, tout l'art du jeu, qu'est-ce que je regarde? Ah, il y a un livre sur la table. Excusez-moi. Oh, c'est une chanson de bar! Désastre! Ah, c'est pour désastre, ça! Désastre! C'est parti! Sur la table, tout l'art du jeu, on t'écoute. Putain. Déjà que je sais pas lire, en plus, faut que je chante, quoi. Ah, bah, c'est garanti! Mais c'est 90% de la raison pour laquelle je continue de stopper. Hein. Tu sais, ce qui est demandé, c'est par contre, ok, on continue, mais il faut que Désastre fasse les petites chansons. Parce que... 5%. Élise les livres et tout ça. 5%, c'est pour le plaisir de me faire hurler dessus par Élise, et les 5 derniers pourcents, c'est pour le plaisir de détourner ce que Crane dit afin de le retourner. Mais ça, le truc, c'est que pour avec moi, t'as pas besoin des OP pour ça, c'est tous les jours. Mais c'est tous les jours un plaisir. Vas-y, on t'écoute. Alors attends, parce qu'il y a deux refrains. Parce que je sais pas sur quel air chanter. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Quoique, c'est toujours Désastre qui chante. Crane, tu veux pas t'y coller? Ah bah, trop tard, on a déjà une personne, tout ça. Tu te rends compte, la déception, l'attente que tu as créée chez les gens. Ah oui, mais justement, j'ai subverti leur expectation, tu vois, c'est mieux que Star Wars 8. Après, Élise, elle aurait une belle voix aussi en chantant. Oui, mais. Bah, à la limite, oui. Oui, mais Élise, ça l'amuse. Ouais, ça m'amuse trop. Ça s'entend, oui. Qui veut s'y coller? Ou alors on joue ça à Pierre toi, Papier. Toi, par exemple. Ah non, mais ou alors on joue ça à Pierre Papier. Ah, Papier, ou alors on fait tous une phrase. Attends, on essaye tous dans de ce cas-là, chanter. On fait tous un strophe, parce que sinon ça va être cancer. Une strophe. Ah, mais non, là, ça, c'est moins rigolo. Deux phrases. Deux mais phrases. Sinon, on fait le bob au pire. Deux phrases. Okay. On sent bien là-dedans. Allez, deux phrases, on le fait dans l'ordre que Désastre l'a dit. C'était. Attendez, je me suis perdu dans la maison. J'ai volé tout ce que je pouvais voler. Élise, Crane, Bob, Désastre. Alors, à tous ceux sur YouTube ou sur Stream qui regardent et qui sont là, avancez dans l'histoire, s'il vous plaît. On s'amuse. On a le droit aussi de jouer aux jeux vidéo pour notre propre amusement et entertainment. Allons-y. Du coup, c'est Élise qui commence. Crane. Ah non, c'est pas moi qui commence. Je suis en dernier. Je viens de lire tous les. C'est autre chose. Ça, on reprend. Ouais, ouais, ça, non, ça me laisse pas le temps de réfléchir. Deux lignes par deux lignes. Non. Personne ne réfléchira à l'air de toute façon. Vas-y, c'est deux lignes par deux lignes. On n'a aucune idée de l'air. On fait la Marseillaise, l'air. Non, mais non, pas la Marseillaise. Mais arrête, si c'est trop bien. C'est toi. Attends, c'est Crane. Bah vas-y, t'as commencé. Vas-y, Crane. Vas-y.
Salut l'ami, assieds-toi donc, grignote un bout, viens t'amuser avec nous. Le tintement qui me chatouille l'oreille, à ton approche dit que tu ne manques pas de sous. Le tintement de pieds sur terrain joyeux, et l'appel de la fortune. Assieds-toi donc, joue avec nous, on commençait à peine. Fais ton pari et renchéris. Et tout semblant, sans tasse, tant ta chance, laisse-toi tenter. Risque tout, t'as la santé. Si tu termines sans gérer, t'auras des gens cachés. En vrai, cagés. Oh. Ah, c'est beau! Ah, c'est fantastique, hein, putain! Bon, on peut s'arrêter là, je pense qu'on peut. Devant tant de succès, il vaut mieux laisser le mythe opérer et rester malheureusement, sur malheureusement, la Marseillaise ne se collait pas bien. Je propose que la prochaine fois, on prenne l'hymne national corse. En l'honneur de Trump, nous en vrai, la Marseillaise collait bien. Banner. Non, ça passait pas trop mal. Hein. Ah non, bah, en fait, ah, t'as vu la fin? Mais le problème, c'est que le refrain commençait, on n'était pas dans le bon, si tu veux, donc c'est pour savoir. Ouais, c'est ça. Du coup, parlons à cette personne qui a l'air d'être dévastée à l'idée que ses enfants manqueront de nourriture. On ne peut pas leur parler. Et nous, on a chanté juste à côté. On est les pires. On peut pas leur parler. Mais oui, à qui est-on censé parler? Que faisons-nous? Mais en bas. Ah, c'est... On n'est pas au bon étage. Mais non. Mais divin. C'est lui là. C'est elle, Anadama. Je rappelle, nous sommes payés pour faire ce stream d'une qualité folle. Alors, je tiens à dire que certaines personnes ne sont qu'accompagnateurs, babysitting, tout ça. Font ça pour la gloire, mais avoue, t'adores. Ouais, j'avoue. Ouais, très bien. Allons-y. Ronron. Désastre. Ah oui, pardon, j'étais assis. C'est pas grave, c'est pas grave. 3, 2, 1, clic. Vous ne voyez pas que j'essaie de noyer mon chagrin? C'est un processus très délicat, vous savez, qu'on peut mener à bien tout seul. Du coup, c'est à moi, ça, c'est ça? Ouais. On doit prendre rendez-vous aujourd'hui avec le général Renmus. Aujourd'hui? Oh, vous ne manquez pas d'humour, vous. L'emploi du temps du général est plein. Si vous voulez le voir, remplissez vos documents et confiez-les-nous. Comme tout le monde. Et par hasard, ces quelques petites pierres précieuses vous convaincraient-elles de m'ajouter à son programme? Je ne savais pas que vous aviez le cœur si généreux, Marcher. Oui, je peux bien ajouter votre nom à l'emploi du temps du général. Mais c'est tout, oui. Vous devrez obtenir les documents requis et retarder la personne avec qui il avait déjà rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Allez, voici vos pierres. Merci de votre généreuse contribution. Mais que ce petit échange reste entre nous, oui? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Je vais terminer mon verre, puis je monterai sur le prochain navire qui quittera cette ville oubliée des lunes. Si les dragons ne suffisaient pas à nous enquiquiner, tous ces réfugiés vont finir par pousser Sanchal à la ruine. Je vais partir avant les émeutes. Eh bien, au revoir. Donc, ce qu'on en déduit avec tout ce qu'on a vu, c'est que l'or, la bouffe, absolument tout en vient à manquer. Parce que j'ai parlé à la tavernière à l'étage tout en haut, elle était là. La situation à Sanchal est compliquée avec tous ces gens. Et en plus, les voyageurs ne viennent plus à cause des dragons. Mais vous, vous avez de l'or, hein? Dites-moi que vous avez de l'or. Tu vois, elle était en panique. Plus les gens à l'étage qui sont... Enfin, à l'étage, au premier sous-sol, qui sont inquiets pour la bouffe. Plus elle qui dit qu'il y a une immigration folle de Elsewhere Nord. Parce que la guerre avait lieu là-haut à cause des dragons et tout. Effectivement, la situation à Sanchal est pas reluisante. Qu'est-ce que tu fais, Crane? Tu le regardes? Je trouve qu'il a un style absolument fabuleux. J'avoue, il est ici, Nicolmo. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris d'amener ma cuisine fine dans les bas-fonds. C'est souvent les elfes qui sont cuisiniers. Ces cagites n'ont aucune culture gastronomique. C'est un peu une allégorie des femmes en cuisine, non? Non. Oh,
pourquoi tu fais Non, mais en fait, que à la rigueur, femme en cuisine, pourquoi pas. Je veux pas me la péter, mais je peux comprendre. Mais c'est le elfe et femme. Pourquoi tu fais cette allégorie? Les elfes, ils sont parce un peu. Parce que les elfes, c'est des femmes. Ils sont elfes, quoi. Ouais, mais je veux dire. Ils sont plus efféminés que le reste que. T'as vu sa mâchoire? Tu le respectes? T'as vu cette beubare? Pour un mec jaune, ça va, il s'en sort. Alors, la mâchoire. La beubare. Et la beubare. Bah, regarde le zoom, hein, je suis désolé. Hein. Mais t'as vu Saïsan ou quoi? C'est pas parce que. Oh bah ouais, mais après, c'est un rouge-garde. Le mec, il génère de la testostérone même quand il mange une salade. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas lutter, quoi. C'est très bon, la salade. Ah. Allô? Oui, non, mais. Je vous le promets. Ah non, c'est bon, d'esprit. Hein, les dragons se battaient entre eux. Je crois que vous avez la vue qui flanche, grand-mère. Je sais ce que j'ai vu. Ils n'ont pas attaqué notre village. Nous étions juste au mauvais endroit. Ah oui, moi je suis croyant. Pourquoi se battraient-ils entre eux? Je n'en sais rien. Mais ça fait froid dans le dos. Si les dragons se battent entre eux, pendant ce temps, ils ne nous mangent pas. C'est déjà ça. Ça ne règle rien. Rien du tout. Au moins, ça ne peut pas empirer. Ouais, elle est si petite. Rejoins-nous et tu auras un dialogue qui est assez stylé, mon chat Crane. Ok. Et j'avoue que l'autre, il doit être 5 fois plus jeune que la vieille, mais la vieille, bon, bah voilà, quoi. Et c'est quoi, ça? C'est pas une alfique? Comment ça annonce? C'est un... Ah, c'est pas un Holmes. C'est pas un Holmes-Rat. Je vais le dire à Crane. Ah, t'abuses. Non, tout va bien. T'as le dialogue. On te laisse apprécier. Ok, très bien. Sympa. Mais il a surtout grave la classe, lui. Oui, t'as vu, hein. Il pue le style. Ah, mais et même sa grand-mère. Ils étaient jouables. Allez. En tout cas. Et donc, ce cadavre à côté, là, Katayres. Il était pas, je crois, qu'on est arrivé. La peste, fulgurante. Pourquoi on peut looter ce cadavre? La peste, je t'ai dit, fulgurant. Mais du coup, il y a quelqu'un dans ce groupe qu'il faut appeler la peste maintenant? En tout cas, ici, on voit bien la pauvreté. Hein. Mais par contre, les oies, là... Ah oui, les volailles, c'est stylé. Ça se vole, c'est volé. Une autre des ombres de Rajin a frappé. Par contre, je trouve que le petit chat là qui est allongé, on dirait le chat avec lequel faire le chat qui a trop bu, là. Oui, c'est exact. Mais c'est une alphique, c'est valide. Oui, non, mais elle a le même bandeau, elle a le même... Ouais, le chat au gourat, là. Oui, tout à fait. Parlons à Darku. Darku. J'en prie, désolé. Allez. Darku. 3, 2, 1, clic. Un testament, une lettre de créance, un passe-droit. Je suis votre sauveur. Dites-moi, pourquoi avez-vous besoin du meilleur faussaire de tout Samchal? Et aucun problème avec la maréchaussée, alors que vous clamez haut et fort. Nous avons besoin de papiers diplomatiques pour rencontrer le général Renmus avec un ami. Intéressant. Très intéressant. Des papiers diplomatiques. Et cela vous permettrait de voir le général Glabre. Bien sûr, mon talent mérite des dommagements. Prenez ces cailloux qui brillent, j'espère qu'ils feront l'affaire. Oh oui, ces beautés me conviennent très bien. Tenez, des papiers diplomatiques à jour, prêts à présenter. Pensez à avoir un rendez-vous, hein. Il ne faudrait pas débarquer à l'improviste chez le général. Ne vous en faites pas, nous avons un plan. Un mauvais plan, mais un plan quand même. C'est l'apologie de la corruption, quoi. Très bien. Stylé. Alors, du coup, il faut maintenant qu'on aille au port et qu'on retarde
la personne qui avait le rendez-vous. Cataclope. Le port, c'est par là. Vous pouvez suivre. Ouais, vous pouvez suivre. Allons-y, on va faire le tour soit par le nord, mais je vais aller par le nord parce qu'on va passer par là. Merci des astres pour le boost. Moi, je l'ai pas. Pardon, excusez-moi, ça a été un peu trop loin, demi-tour. Faut suivre la route principale. Voilà, et là, vous pouvez soit descendre. Il est inutile de fuir. Il y a plus de gardes après vous que d'arbres dans une forêt. Ah, faites gaffe hein, avec le boost. PV, ouais. Ce n'est qu'une question avec le feu. Vous on va prendre l'escalier. Hein. Voilà. Moi, je me suis fait arrêter par la marée chaussée. Ils m'ont remarqué avec les poules, ils m'ont pris tous mes objets. Ah, ah bah oui, voilà. Parce que t'as dépouillé le cadavre. Ouais, mais non, c'est pas le cadavre, c'était les poules. J'ai volé les volailles. Ah oui. Ah. Mais c'est sans les amis. J'ai trop puissant. J'ai payé mes 56 balles, je l'ai giflé avec mon or et ça s'est bien passé. C'était... ouais, au bout de la crique. T'as raté, c'est ça? Non, je suis allé tout droit et j'ai pas tourné à gauche. Non, Elise. Attends, mais là, il faut prendre sans qu'ils nous voient, mais comment on fait dans la vie? Ah, ben maintenant. Go. Ah bon, je me suis mis invisible et ça a fonctionné. Ouais. Arniel Branche, vous pouvez venir. Ah! Enfin, j'ai cru que je ne quitterais jamais ces quais. Vous avez un manifeste de cargaison? Eh non. Puis-je l'inspecter? Oui, s'il le faut. Il est sur cette caisse. Très bien, je ferai vite. Il y a un problème? Vous vous fichez de moi? Je ne vois pas de manifeste sur cette caisse. Quoi? Non, c'est impossible, il y était. Pas de bol. Dois-je vous rappeler que tout navire sans manifeste sera soumis à... Je connais la loi, mais mon manifeste était là, sur cette caisse. Si vous ne l'avez pas, nous devons tout inspecter. Mais ça prendra des heures. J'ai un rendez-vous. Et c'est tout. Alors, c'est un joli dialogue, mais... Attendez que ma guilde entende parler là, de ce traitement barbare. C'est juste pour nous dire que voilà... Nous n'oublierons pas de sitôt. Bon, croyez-moi. Mais tu vois, Bob, la Hazir, là, je le respecte avec sa barbe. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, entre guillemets, c'est... Oui, ouais, il a un cheval de Noël. Le document... C'est trop mignon. Le document que vous cherchez est sur cette caisse. Et l'autre, immédiatement, vous vous fichez de moi, il n'y a rien sur cette caisse. C'est pas une réaction naturelle. La réaction naturelle, c'est je le vois pas. Ah oui. Et tu sais, voilà, de pas présumer immédiatement que l'autre se fout de ta gueule. Tu vois, parce que ça me paraît... Oui. Ça me paraît non, étrange. Non, mais c'est des raccourcis pour pas que ce soit trop long. Je comprends. Mais je veux dire, même les flics, ils sont plus complaisants que ça. Même si ta tête leur revient pas, si tu veux, ils ont un peu plus de patience. Il y aurait une phrase du type non, monsieur, il y a rien sur la caisse là. C'est ça. C'est pas parce que t'as regardé dans ta poche droite et que t'as pas les papiers de ta voiture dans la poche droite qu'ils vont pas présumer que tu les as pas. Tu vois, ils vont d'abord vérifier les autres poches, si tu veux. Tu vois, c'est pas. Si ils te laissent regarder dans ton futal, c'est pas non plus. Excellent. Qui a-t-il? Ah, on me dit sur le chat, c'est un employé désagréable de l'administration, pour moi c'est valide. Oui, Elise. Si, oui, j'essaye de trouver où est-ce qu'il faut aller en fait. Ça demande à l'envers. Elise qui parle trop. Ouais, je suis pas du dialogue, tout bon endroit. Qui est perdu, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Voilà. J'ai vu un cheval de Noël et. Et j'ai craqué, je bientôt elle va nous parler des picots, hein. Je me sens trahi. Non, là, pour l'instant, c'est les grelots. Il y a plein de grelots. Les grelots. Alors, par contre, j'aime beaucoup cette image avec derrière nous, là, où il y a Crane, il y a Saïsan, il y a des astres avec son papier, parce qu'il y a la map ouverte. Et pendant une seconde, tu regardais Saïsan et t'avais un papier, c'est... Ouais, c'est lui, ouais, j'avais fait un dessin, je m'en souvenais plus. C'est bien Saïsan, pour moi, vous ressemblez tous, c'est pas ma faute. J'avais dessiné des poulettes. Mais c'est pas compliqué. Il est quoi? Rouge garde. Je vois pas la couleur, pour moi ça change rien. Mais tu devrais voir le noir et blanc. Non. Je t'ai dit que je voyais pas la couleur, j'étais presbyte. Mais le noir c'est pas une couleur.
Et tu sais, il est en vision Terminator constamment. Tu sais, comme les serpents, il nous voit, mais comme en vision infrarouge. Ce serait trop stylé, en fait. Mais... Et voilà, arrêtez par la boule. Ah bah voilà. Oh, oh les mains, peau de lapin. Rends le maillot de bain que t'as volé à la maîtresse. Allez, steak San, on est bon. Vas-y, vas-y. 3, 2, 1, clic. Avez-vous obtenu un rendez-vous avec le général Renmus? Oui, tout est prêt pour notre rendez-vous. Nous devons donc nous préparer pour notre combat final, mon ami. Un combat d'intelligence plutôt que de force. Rappelez-vous, nous devons convaincre le général Renmus de nous affréter un navire. Il nous permettra d'aller tuer le monstre sur la Bastide du Dragon. Intimidation, intimidation et intimidation, ça ira bien. Que savez-vous au sujet du dragon ou de cette île? Oui, mais je ne sais pas quoi en conclure. Comment ça, oui? Un navire se rendait de sauter récemment. Il ne portait aucun étendard. Et personne à Sanchal ne l'a reconnu. Nous ne sommes peut-être pas les seuls chasseurs de dragons du sud d'Elsewhere. Nous avons donc peut-être des alliés pour vaincre le dragon? Ce n'est ni impossible ni certain. Pour ce que nous en savons, ce navire repartait ailleurs. Ou venait sur l'île pour une autre raison, même si je n'en vois aucune. Allons honorer notre rendez-vous. Très bien, allons parler au général Remus. Remus. Halt, c'est réservé aux affaires officielles. Nous avons rendez-vous avec le général Renmus. Tenez, voici nos papiers. Tout a l'air en ordre. D'accord, vous pouvez entrer. Oh là là, alors pendant une seconde c'était au stylé. Au bout d'un moment, on a sauvé le monde, on a banni des draps, on a... je sais pas. Les nouvelles, j'estime qu'à ce stade, voyage pas vite. Voilà, c'est tout. On pourrait avoir un bon du guest, quoi. Par contre, il y avait un moment, c'était Kino, pendant que Sai lui donnait les papiers et que l'autre disait, t'as Alice qui commence à avancer vers la porte, genre j'ai rien à foutre, même pas vous m'arrêter. Je suis trop riche, j'ai pas le temps. Là, c'est chaud. Ils sont trop classe, t'es... Attends, t'es passé. Attends, ils sont... vous êtes. Non, t'es là, Bob. Mais attendez. Ils sont tous les deux là avec leurs tenues, tout ça. Oh, c'est des joueurs et ils ont les vraies tenues. Ah, c'est même pas des PNJ, putain. Non, la vache. Alors, Roguera, elle se balade depuis tout à l'heure, d'ailleurs. Hein, magnifique mascara, une belle humaine. Ah ouais. Et Lana est stylée aussi. Et Lana aussi, très très classe. Hein. Par contre, avec leurs armures. Oh là 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 là. Et ça, tu vois, pour une garde rapprochée, c'est stylé. C'est pas genre... Ben ouais, carrément. C'est pas genre une garde rapprochée. Oui, moi j'ai une... Parce que dans les mangas ou dans les films ou n'importe quoi, quand ils te disent que la garde rapprochée de quelqu'un n'est composée que d'une unité de femmes, généralement elles sont toutes en bikini ou à moitié à poil, si tu veux. Alors que là, là, c'est ultra stylé. C'est RP, quoi. Ouais. Alors, Elana, elle a un peu gardé les colliers que lui a fait sa gamin en maternelle, là. Oui, mais attends, compare au mec qui est à droite, compare au mec qui est à droite, là, qui est à côté, là. Bouclier de Sanchal, regarde-le avec son capuchon à zob. Zéro dégâts. Zéro préservatif, le gars. Zéro charisme. Regarde le nombre de boucles de ceinture qu'il a sur lui, on dirait un perso de F. Il est dégueulasse. Après, il y a le charisme d'un bout de cornichon. Il y a des gens placés qui veulent pas que les gens autour de lui soient plus beaux. Hein. Ah bah, quel intérêt de pas bien habiller tes gardes ou ta garde rapprochée ou ta garde personnelle. Oh. Déjà, ça te met plus de bling et ça te met plus de charisme, et ensuite, ça les rend eux plus heureux, donc plus loyaux. Eh, regarde l'attitude de cette cagite. Bah oui. J'adore. Oui, 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 oui. Alors, on me chuchote, les nobles... Il a absolument pas regardé, donc. Il dit oui, pour te faire plaisir. Oh là là! Merci! Ah, j'avoue. Hein, c'est Kim Kardashian. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est Kim Kardanian. Kim Kardashian. Ah merde, je vais pas piller ça. Ok, très bien. Avançons, procédons. Nous sommes donc dans le palais de Sanchal et c'est très stylé. La question, c'est... Ah, c'est beau. Regardez en haut. Tapis, là. C'est classe. La coupe. Oh là 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 là. Mais c'est tapis, quoi. Ouais, moi j'ai un amour des tapis, hein. En tout cas, alors, ce que je comprends pas, c'est... Ah oui, non, mais c'est normal que ce soit intérieur. Bien sûr, c'est normal. C'est 50% impérial, 50% Khajiit, parce que c'est le bastion de la présence impériale dans cette région et qu'elle a été reconstruite deux fois, cette ville. Mais j'avoue, ils ont mis le budget. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un dragon, mais il est vert, trop stylé. Ouais, mais c'est... Un dragon qui vient d'une autre licence, si tu veux. Ah, je crois que c'est peut-être l'édition collector ou je sais pas. Oh, un cactus. J'avoue, il est stylé. Oh, un livre. Les variétés des dragons. Première exploration. Ah,
T'intéresses? Blablabla. Dragon rouge. Blablabla. Dragon noir. Blablabla. Ok, il y a deux variétés de dragons en fait, d'accord. Mais c'était. Non, c'est pas lui. Ok, très bien. Eh ben écoute, je vous propose d'y aller tous ensemble en même temps parce que ça va déclencher des dialogues sans doute. Ok. Ouais, peut-être, vu que c'est le général. Ouais. Allez, 3, 2, 1, porte. Je n'ai pas tous les jours le plaisir de recevoir le capitaine Sai Saan. Salutations, général. Je viens vous demander un navire pour traquer un dragon dans la région. Traquer un dragon? Alors que vous n'avez même pas pu protéger notre empereur. Vous devriez peut-être vous entretenir avec mon compagnon pour comprendre les détails de notre plan. Alors, est-ce qu'on peut... Là, tu vois, il porte la même armure que l'autre plancton avec son casque débile, mais il a pas la capuche débile et il a les épaulettes. Ouais. Et j'avoue que ça change tout. Et ça passe mieux. Complètement. Ouais. Puis les cheveux, puis les stylés. Oh là 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 là, pur stylé. Et attends, c'est qui ce mec qui est dans le siège? Ah, c'est un joueur, d'accord, tout s'explique. C'est un joueur. Oui, c'est Card Jojo. Aelia Renmus. Ah, il a ça, il a son. Il a son parce qu'à chaque fois, on a des joueurs qui nous suivent, mais ils sont vachement RP. Ils se fondent dans la masse. Sympa, ça. J'avoue, hein, ça c'est cool. Hein. C'est très gentil de leur part. Il y a Elana qui est à nouveau là. Ouais, toujours. C'est changé de tenue. Non, mais donc des mecs qui spamment des emotes là. Et le truc, c'est que ça marche. Hein. Ils sont tellement stylés que la plupart du temps, on est là. Waouh, regardez ce PNJ. Non, c'est un vrai être humain. On a l'impression d'être des gros enfants américains à Disneyland qui mettent des coups de pied à Blanche-Neige en mode regarde, elle a pas mal. Truc horrible. Ok, très bien. Parlons d'abord à Aelia Renmus qui est juste à côté. Elle a pas de vrai dialogue. Aelia. Donc. 3, 2, 1, clic. Pardon, mon père est rarement aussi grossier. Je ne sais pas ce qui lui prend. Ouais, elle est jolie en plus. Là, le 06. Ils l'ont plus maquillée que d'autres personnes. Ouais. Je sais pas. Elle est jeune. Son daron a pas l'air si vieux et pourtant, si c'est son daron. Par contre, il pue le charisme. Hein. Le général Renmus, il met la max. Est-ce qu'il a la même coupe que toi? Ouais, mais il fait une tête de moins. Alors, il fait une tête de moins et pourtant il en impose plus. Mais on dirait ton cousin, quoi. C'est les mêmes, quoi. Ah, mais il déchire, hein. Il déchire. Enfin, bon. Il en impose moins, hein, je trouve. Je justement. Trouve. Là, attends, il a pas les pecs. Moi, je trouve qu'en fait, les rides et les cicatrices en imposent plus que les tatouages et les bijoux ritualistiques, si tu veux. C'était peut-être de l'acné, les cicatrices. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais là, on voit les deux en gros plan. Qui en impose le plus, quoi. Bon, après, t'as les bijoux fumis, allez. Qui l'aident pas forcément. Ouais, non, bien sûr. Après, mais j'avoue, il pue le style. Enfin, bref. Mais par contre, il a la même coiffure que Lord Farquaad dans Shrek 1. C'est... Oui. Farquaad. Enfin, bon, allons-y. Allez, 3, 2, 1, clic. Vous accompagnez donc le célèbre capitaine Sai Saan. Enfin, j'imagine que ce grade ne signifie plus rien vu l'état actuel de Cyrodiil. C'est vrai qu'il est... Bien. Dites-moi comment vous comptez tuer ce dragon. Oh là 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 là. Par contre, sa voix transforme tous les gens autour en militaires. Hein. C'est chaud. Hein. C'est vrai que là, comme ça passe beaucoup mieux quand même. Non mais quand il parle dans un magasin de chaussures, toutes les chaussures se transforment en bottes. Hein. Ça déconne. C'est des Rangers. C'est ça. Ah, je suis pas d'accord. Moi, en cuissarde et puis je perds mes vêtements. Hein, Tes vêtements se transforment en bottes. Tu sais, t'en as sur les mains, sur partout. En fumée. Vas-y. C'est à toi, Elisa. Ok. Nous comptons nous rendre sur une île voisine et chasser le dragon. Voilà pourquoi nous voulons un navire. C'est une aventure admirable, c'est certain, quoique inconsciente. Malheureusement, je n'ai ni le navire ni l'équipage qui vous permettrait de mener l'expédition à bien. La ville est déjà plongée dans le chaos. Je ne peux pas me permettre de partager mes ressources. Vous devez nous laisser essayer. Le dragon pourrait s'attaquer à Sanchal à tout moment. C'est précisément pour cette raison que je ne peux pas accéder à votre demande. Oui. Si un dragon attaque effectivement Sanchal, j'aurai besoin de tous les soldats et tous les bâtiments de ma garnison pour défendre la ville. Je regrette. Votre cause est louable, mais j'ai pris ma décision. Nous comprenons. Nous irons chercher un navire ailleurs. Merci de votre temps, général. Venez, mon ami. Discutons au dehors. Pardon, général.
Il a pas les couilles. Non, non, mais il a raison, hein. Bah, ouais, il est pas à 4 mecs qui ont sauvé le monde près. Non, mais tu rigoles, mais un bateau, c'est genre la moitié de la garnison de la ville, hein. On parle en population thésauristique. Alors même quand le lore il dit il y a 1000 personnes et tout, c'est des conneries. En vrai, ils sont 50 à habiter dans cette ville, mais ça compte. S'il doit allouer genre 20 hommes sur les 30 gardes qui existent, et qu'ensuite le dragon il se barre et que nous on est comme des pégus sur l'île en mode oh, on va attaquer le dragon. Mais tu sais que le dragon il déguise, il décide fuck it et il nous fait une smog. Tu sais quand il s'envole et qu'il s'en bat les couilles en fait, bah bye bye la population quoi. Et moi je suis désolé, mais le chaton cramé c'est pas encore au menu. Bah, pas sûr que ça sente très bon non plus. Non mais, tu sais ce que je veux dire. Donc je... C'est dommage que tout se build up... Il n'arrête pas de pleuvoir dans ce pays. Ah bon? Moi il pleut pas là. D'accord. Non. C'est... Il pleuvait pas non plus. Crane a raison, c'est dommage ça parle, que... ça parle. Tiens, tiens, un invité. C'est dommage que quoi, du coup? Attendez un peu. Il est où le perso? Je suis encore dedans, ouais. Je crois connaître quelqu'un qui pourrait vous aider. Qui est-ce qui a parlé? Ah, Aelia, d'accord. Très bien. Aelia, je disais donc, c'est dommage, c'est Crane qui a raison, dans le sens où c'est dommage qu'il y ait eu autant de build-up pour finalement pas grand-chose, mais sa raison, la raison pour laquelle il nous a rembarré, si tu veux, est tout à fait légitime, en fait. Oui. Bah, surtout que là, c'est comme de par hasard sa fille qui vient nous aider. Alors ça par contre ça c'est le bonus sur le cake si tu veux. Mais oui, c'est encore la doubleuse de Didi. Oh là là, si seulement Crane n'était pas sur le navire, moi je te ferais une épopée à la Conan. Oh là 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 là. Mais par respect bien sûr pour le respect tout ça. C'est bien d'être respectueux. Merci beaucoup. La manière dont tu l'as dit peut être lue de tellement toutes les manières. Si seulement Crane n'était pas là. Non, non. Mais c'est bien d'être respectueux. T'as toutes les... tous les degrés de lecture dans ma gueule. Vas-y, vas-y. Allez, Aelia, 3, 2, 1, clic. Bonjour, je suis Aelia Renmus, la fille du général. Je ne pouvais pas parler librement devant mon père, mais je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous amener sur cette île. Mais dites-moi... Vous pensez vraiment pouvoir tuer un dragon? Oui, on pense que c'est possible. Dans ce cas, je peux vous aider. Ou au moins vous envoyer quelqu'un qui pourra vous aider. Vous devriez parler à Zadji, le capitaine du Bon Parfait. C'est peut-être un contrebandier, mais il est attaché à Sanchal. Et c'est mon ami, il pourra vous amener sur l'île. Donc la fille du général compte un contrebandier parmi ses amis? Je sais. Mon père ne serait pas d'accord. Mais il n'est jamais d'accord avec mes choix d'amis depuis que nous sommes à Sanchal. Non pas que l'approbation de mon père ait le moindre rapport avec cette conversation. Et où pouvons-nous trouver Zadji? Il traîne en bordure de la ville avec son premier officier Casca. Cherchez simplement un Dagirat et une Sanchrat qui se disputent. Vous ne pourrez pas les rater. Dagi, c'est ça. Oh, et dites-leur que c'est Aelia qui vous envoie. Il y a Casca. Merci, on va aller voir si Zadji veut bien nous aider. Je devrais rentrer au palais. Bonne chance. Ah, elle nous accompagne pas. Quelle tristesse. Alors qu'elle aurait été soumise à la vue de ta moustache environ 5 secondes de plus et c'est fini. Hein. Ça va, et ma petite ça phrase va. En plus du type « Et vous, vous aimez bien la vie ici ?» C'est vrai que ce coup-ci, tu lui as pas demandé son 06. Hein. Ça tombe toujours sur toi. Hein. Ça tombe toujours sur toi. En même temps, je pense que ton perso s'est arrêté parce qu'il savait qu'il avait aucune chance. Même si ta moustache te confère des pouvoirs de charisme assez folle envers le sexe opposé, à 2 mètres, il y a Saïsan, si tu veux. Et là, c'est la max. Là, c'est la max. C'est difficile. C'est difficile d'éclairer quand t'es à 5 mètres du soleil. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur. On t'en veut pas. On nous fait de l'ombre. Vas-y. Allez, Saïsan, 3, 2, 1, clic. Voyons voir si ce Zadji est aussi honorable que la jeune Aelia le croit. Merci, Master. Voulez-vous m'accompagner en chemin? Je pourrais vous en apprendre long sur Sanchal. Sinon, nous pouvons nous retrouver en bordure de la ville. Eh ben, ça a l'air intéressant, une visite guidée. Oui, oui, on fait bien. Allons-y. Ouais. C'est toujours à toi, Crane. Bah non, pourquoi c'est encore à moi? Ah pardon, bah...
Ouais, c'est à toi. Oui, j'aimerais en apprendre bien davantage sur Sanchal. Nous vous accompagnerons. Très bien. Alors en route. Après vous. Ah mais il part en courant, d'accord. Bah, il a la forme, hein. Ouais, quoi. Il saute. On reste pas comme il est. Petit footing. Petit, à son âge, on sait même pas quel âge il a, si tu veux. En plus, les Rouges Gardes, ça vit pas plus longtemps que les Nordiques et les Impériaux. Si, hein. Ça a une espérance, oui, ça a une espérance de vie de bâtard, un Rouge Garde, il me semble, par rapport à un humain. Il me semble pas, tiens. Des réfugiés chassés par les récentes attaques de dragons ont afflué dans Sanchal. Ils n'ont plus rien. Malgré tous les efforts de la ville, la plupart se couchent le ventre vide. Qu'y a-t-il ? Cette petite flûte. Ah, il y a littéralement une femme. Il y a une pingouine catholique qui est en train de leur donner la soupe populaire, c'est stylé. Il attend pas, c'est ça, non ? Alors, c'est ah ouais, une infirmière plutôt ? Ouais, non, ouais. Elle ressemble à, aux infirmières. Ah, y'a pas de dialogue. Mais il dit rien. Bah, c'est trop tard, on a raté. Fallait être plus proche. Gotta go fast. Tant que les dragons ravagent ces terres, les réfugiés souffrent. C'est pour eux que nous devons combattre. Pas pour la gloire, pas pour la fortune, mais pour les innocents d'Elsewhere qui ne peuvent pas prendre les armes. Mais est-ce que tous les Rouges Gardes ont le cœur sur la main ? Acheter un autre navire ? Casca, vous me blessez. Vraiment. C'est Naruto. Et donc, Casca a, est un Senshurat. Enfin, une Senshurat. Est-ce qu'on peut parler à Casca d'abord ? Parlons à Casca. Si on non, peut. On peut pas. Mais si, si, Casca, si, c'est la... Bah, si, moi, c'est marqué parler. Casca, c'est une Senshurat, Elise. C'est le gros. Ah ! C'est la vache, c'est la vache. Voilà. C'est la monture. Allez, 3, 2, 1... Je reconnais pas mes semblables, tout va bien. Du balai, marcheur. Notre capitaine est de mauvaise humeur. Cette voix. Très bien. N'attendez pas une voix comme ça. J'avoue, hein, tu sais, le truc qui pèse 800 kg, le gars. Rentrez chez vous. Je prendrai plus de plaisir avec un pistolet à eau. D'accord, très bien. Allez, Zadie. 3, 2, 1, clic. Vous ne voyez pas que je suis en deuil ? J'ai tout perdu. Mon foyer, mon cœur, mon seul amour. Oh, que vais-je devenir ? Son amour, c'est son bateau, n'est-ce pas ? Il a quand même un style différent, lui. Hein. Ouais, mais c'est Naruto ! J'avoue. Mais c'est Sasuke ! Mais c'est un Dagi. Il a juste fallu faire. C'est la version qui est juste en dessous des hommes races. C'est-à-dire des Khajiits qui ressemblent à des humains. Enfin, à des boss-mères. Ah. Mais lui aussi, il a gardé le collier de nouilles de maternelle. Je sais pas si c'est... Du coup, c'est un désastre. Okay. Vous avez perdu celle que vous aimiez ? De qui s'agit-il ? Du bon parfait. Le meilleur navire à avoir jamais fendu la baie de Topal. Gagné. Quelqu'un l'a volé pendant notre sommeil. Un brigand sans cœur. Un voleur sans honneur. Un membre de mon équipage, j'en suis certain. Nartiz Meris. Puisse-t-il souffrir de 1000 coupures salées ? Et savez-vous où se trouve votre navire ? Non, mais Nartiz, oui. Et je sais que nous le trouverons dans les ruines de Garde Sud. Le bon a besoin de provisions avant de lever l'ancre. Et c'est là que Nartiz les trouvera. Mais pourquoi voulez-vous nous aider, marcheur ? Aelia a dit que vous pouviez nous emmener vers une île voisine pour tuer un dragon. C'est Aelia qui vous envoie ? Alors vous devez être des marcheurs d'honneur, et j'admets que tuer un dragon, cela paraît très héroïque. Très bien, c'est entendu. Si vous m'aidez à récupérer mon navire, je vous emmènerai sur cette île. Que voulez-vous faire ? Nous devons aller aux ruines de Garde Sud pour trouver Nartiz. C'est une sorte de ville côtière, au sud de Sanchal. Avec un peu de persuasion, cet infâme elfe noir finira par nous dire où est le bon parfait. Et nous pourrons le reprendre. Tu veux tout demander ? Parce que le 2 et le 3 suffit, je pense. Hein. Le premier, tu sais, il a volé le navire, okay. Il a volé le navire. Que pouvez-vous nous dire d'autre sur vous-même ?
Ah, nous abordons l'un de mes sujets de conversation préférés. Le Bon Parfait abrite la plus belle bande de rapias de ce côté de la baie de Topal. Son capitaine est un Khajiit à la beauté rugueuse, qui cherche la fortune depuis son plus jeune âge. Faites qu'il y ait une histoire d'amour avec la fille du général, faites qu'il y ait une histoire d'amour avec la fille du général. Mais... Et ce capitaine, ça ne serait pas vous par hasard? Mais si, tout à fait. Il n'est pas de trésor trop caché, pas d'aventure trop périlleuse, pas de gloire trop grande pour Zadji et son loyal équipage. Nous ne connaissons pas le sens du mot danger. Eh bien, vous avez quand même accepté de nous amener sur le repère insulaire d'un dragon. Dans ce genre de situation, je me fie à mes tripes. Elles ont de l'expérience. Et mes tripes me disent que ce dragon finira par poser un problème à Sanchal. Alors je vais aider ceux qui ont le courage de s'attaquer à cette bête. Une fois que nous aurons trouvé le bon, bien sûr. Très bien. Et que pouvez-vous nous dire sur Casca? Casca, c'est le Bosco du bon, bien sûr. Ne vous offusquez pas de ses manières, marcheur. C'est une Khajiit avare de parole et de patience. Je vous conseille de ne pas la froisser. Oui? Et que se passerait-il si je la froissais? Eh bien, elle n'a pas gagné son titre de cascale invaincue sans arracher quelques têtes. Ne la défiez pas, marcheur. Ça, c'est malin, j'ai envie de la 1v1 maintenant. Au revoir. Très bien. Et ouais. En même temps, c'est tellement stylé. Bon, bah du coup, allons aux ruines de Garde Sud. Par où est-ce? Sud-est. On peut partir de... Vas-y. Sud-est tout droit, je pense que ça passe. Hein. On te suit. Vas-y, Dédast. Faut juste faire un petit saut de biche. Wow, joli. Je suis passé à côté, mais oui. c'est pour le divertissement, quoi. Ouais, mais c'est pour le spectacle. Oh, regardez à droite, les maisons détruites et tout, trop stylé. À trouver. Oula, c'est tout en plein hauteur, c'est trop mignon. Il y a un dragon juste au-dessus. On a le temps de péter la chatte. Tu appelles le dragon? Allez. Je sais pas si on a le temps, on va voir. Fais-moi voir. Comme ça nous fait des tickets d'événements. Non, il vient de mourir. Oh là là. Il a eu peur de nous, je crois. Il vient de mourir à l'instant, c'est pas. Peut-être qu'il fait semblant, du coup. Mais comme j'ai les fait semblant. Ouais, c'est ça, il a un œil à moitié ouvert. C'est bon, ils sont partis. Les méchants de vrai qui tralent. Ok, là j'ai trouvé un oratoire. Et voilà Saïsan, je vous dis, il y aura sans doute du dialogue en s'approchant, à 100%. Oui, c'est pour ça que je suis resté en retard. Bah allez-y. On met tout ça. Allez, go. Nous devons entrer subrepticement, Casca. Vous vous souvenez comment on fait? Oui. Je me souviens de la dernière fois où vous avez essayé. Avez-vous réussi à retirer toutes ces épines de cactus de vos fesses? Non. Ces épines piquaient moins que votre trahison, Casca. Ah ça oui, parle picots, la troisième trahison du jour. Enfin, entre amis, on ne compte pas. Alors, subrepticement ah ouais, ça, est, c'est un bon mot ça. Est un mot que je n'arrive pas à prononcer. Subrepticement. Qui veut dire... J'ai utilisé ce mot. Enfin. Non, mais c'est un mot qui existe, tu le trouves très souvent en littérature, ouais, qui veut dire sous couvert, discrètement, sans se faire repérer. Voilà, vas-y. Donc voilà, par exemple, si tu arrives à dire j'ai réussi, Céan, à subtiliser subrepticement les joyaux de la couronne. Putain, j'ai réussi. Il y a Akatosh qui sub à la chaîne. C'est classe. Oh putain, c'est stylé. Oh, Akatosh qui s'abonne chez Crane. Alors là. Allez, là. Franchement. Voilà. Tu voulais des confirmations que c'était toi le héros de la série. Voilà, casse pas les couilles. Là, ça m'a l'air assez clair, hein, si tu veux. Par contre, si on dit que tu fais partie de la lignée du dragon ou de l'orcane, là je vais bouder si tu veux. J'ai commencé à froncer les sourcils. Parce que t'es rouge garde, hein, donc c'est de l'appropriation culturelle, hein, cherche pas. Ok, du coup parlons à Saïsan, c'est comme vous voulez. Saïsan, 3, 2, 1, clic. Nos nouveaux compagnons aiment vraiment se disputer. Zadji veut infiltrer le campement et prendre Narthys par surprise. Casca, elle, suggère un assaut frontal pour l'éliminer rapidement.
Élise. Je préfère suivre ma propre méthode. Nous devrions peut-être nous séparer de Zaji et Casca. Très bien, nous allons commencer nos recherches à l'entrée nord. Je vous suis. De leur côté, Zaji et Casca pourront se rendre de l'autre côté du campement. Je les laisse choisir leur stratégie. Vous savez où nous devons chercher ? Heureusement, Zaji m'a donné une carte de la région. J'ai déterminé quelques endroits où Nartiz pourrait se trouver, vu leur isolement relatif. En tout cas, ce chemin devrait nous permettre de fouiller l'essentiel du camp. Dans ce cas, partons pour l'entrée nord. Assez ! Acceptez-vous ce plan ? C'est un plan excellent. Nous allons faire le tour, oui ? Et connaissant votre bouche, nous allons alerter tous les pirates de garde sud au passage. Et on a Assassin's Creed en face de nous. Zaji est la discrétion incarnée. Je vais partir en reconnaissance. Retrouvons-nous à l'entrée du camp. Ah, on m'a fait tomber. Allons-y. Attendez. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a un PNJ juste à côté, donc j'imagine que c'est une quête liée au... Ouais, à ce qu'on va faire. On va aller faire après. Non, je sais pas. Comme vous voulez. Ouais. Est-ce qu'on peut écouter ce qu'il a à dire ? Si ça a l'air intéressant, allons-y. Si on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça me va, moi. Maudit oiseau de fiente. Ok, bah vas-y. Maudit oiseau de fiente. Quand tu veux. 3, 2, 1, clic. Mais Zizvo à la fin ! Je suis vraiment nulle. Comment allons-nous nous enfuir maintenant ? Il faut... Je peux vous aider, Marcheur ? C'est une punk à chat. J'avoue, une punk à chat. Vous avez l'air contrarié. Quelque chose ne va pas ? Oh, j'étais... Ne racontons pas d'histoire. Je comptais dévaliser cette caravane. Ne me regardez pas comme ça. Je vous jure sur les lunes que je n'ai rien fait. C'était un accident. Et même si ce n'était pas le cas, ces cumusqués étaient des esclavagistes, des tueurs et même pire. Crétins d'oiseaux terreur. Que s'est-il passé avec les oiseaux terreur ? C'est eux qui ont détruit ces chariots ? Oui, je les ai envoyés attaquer les caravaniers, juste pour leur faire peur. Mais les oiseaux ont dévoré les gardes. Pas de chance pour eux ni pour moi. Tout ce que je voulais voler est abîmé. Je peux tout arranger, mais j'ai besoin d'aide. Vous voulez bien, hein ? Putain, c'est la flip totale, hein. Tu sais, il y a la phrase « Vous avez créé des raptors » et là, c'est « Vous avez dompté des autruches ». Il y a rien qui dit que c'est une bonne idée. Bon, du coup, on l'aide. Ouais, allons-y. Ouais. Très bien, on va vous aider à vous en sortir. Merci, Marcheur. Si nous trouvons quelque chose de précieux dans les décombres, je pourrai m'en servir pour quitter Garde Sud. Je sais ce que vous pensez, mais je vous jure que mon frère Safik et moi voulons simplement nous enfuir de cet endroit et des Djik qui l'ont ravagé. Je pense qu'on s'en bat les couilles du reste, hein. On peut aller buter les Pokémon. D'accord, au revoir. Tuons tout. Par contre, son frère s'appelle Safik, alors je veux pas dire, mais... Oui. Ah, déjà ? C'est quoi le problème avec Safik ? Des plaisirs Safik, Crane. Qu'est-ce que c'est ? De la lesbiennerie. Bah... Voilà. D'accord. Voilà. Littéralement. En plus, je crois que tu l'avais déjà dit, mais j'avais oublié. Oui, non, mais je... Par exemple, la reine, durant son temps libre, loin des yeux du roi, s'adonnait à des plaisirs Safik avec ses servantes. Voilà. En clair, ça broutait sec. Voilà. On avait compris la première fois. Non, mais mais il n'y a pas eu de confirmation, donc moi je. C'est ça. Très bien. Manifeste de Turo, voyons voir. Qu'est-ce que c'est cette merde ? Des marchandises. Très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on cherche ? Enfin, on cherche des objets précieux, mais où sont-ils ? Ah, bien ça sûr. Valide pour vous ou ça valide pas ? Non, ça valide. Oui, ça valide. Je vais être à 4 sur 4. Moi, c'est bon. Et il faut qu'on le fasse chacun. Ah, attends. Ouais. Voilà. Turo ! Antonia ! La caravane de Turo ! Daini, il va tous nous tuer pour ça ! Du calme, Antonia. Reviens à la maison. D'accord ? Allez. Je vais tout expliquer. Je dois... Il sera peut-être plus clément si je lui raconte ce qui s'est passé. Laissez-moi tranquille ! Ah,
J'ai gagné un point de champion, ce qui me rappelle que je n'ai pas mangé un parchemin. Je le fais. C'est pas faux. Voilà. Attends, parchemin... C'est pas que t'as pas compris. Oh, regardez le ciel, on les voit. C'est tellement rare de les voir, parce qu'il y a toujours des nuages à la con comme ça. Les deux lunes. Et la question, c'est quand les deux lunes sont en levage, comme ça, c'est lune levante, c'est le début, si tu veux. Tu les vois où, les lunes? Bah, dans le ciel. Bah, au-dessus. Généralement, c'est là qu'elles sont. Hein, non, mais direction. Ah, mais il y a un dragon aussi. Lève la tête, des grosses lunes, quoi. Je les ai pas. Bah, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, elles sont toutes en D. Tu sais, quand les lunes sont en D, c'est quand elles sont au début. Quand elles sont en P, c'est qu'elles sont vers la fin. Et après, bah, c'est la nouvelle lune et la pleine lune et tout ça. Et là, le truc, c'est. Il pleut chez toi. C'est nuageux. Ça doit être pour ça. Mm. Quels sont les Khajiits qui naissent quand les lunes sont en D? Ah, elles sont pas en D, elles sont. Attends, si elles sont en D. Ah, on me pose une question sur le chat assez importante. On me dit, au fait, Crane, allez-vous ouvrir des caisses? Ah oui! Excellente idée! Ah merde! Allons-y! Effectivement. Tout à fait. Allons-y. Caisse à couronne. Nous le devons, les caisses. Caisse de la nouvelle lune, allons-y. 15 caisses. Ouais. Spray. Et en plus, on a la réduc du Black Friday. Ouais. Ça, c'est... réduc, ouais. Ouais. Alors j'ai une trentaine de caisses en tout. Du coup, je la promo c'est juste sur un achat de 15 ou tu peux... Non, tu peux saucer d'ailleurs, j'en ai pris deux. Hein. J'en ai pris deux. Okay. Voilà, donc on s'est mis la max. Du coup là, aucune limite. Ok, là tu... Allez. J'hésite parce que... Attends, c'est la peau sans baiser là. Oh là là, ce chat. Bob. Pardon, excuse-moi. Je te vois sur ton live. Oui, pardon. Ouverture des caisses, c'est parti. Mais vous en trouverez parfois une cinquième spéciale. On y va? Allez, ouf, let's go. Vos récompenses. Que de la merde. Belle sélection. Oh, une carte en plus. Vous pourrez échanger ces précieuses gemmes. Oh, elle est verte. Intéressante récompense. Elle est verte. Ouais, c'est bien elle verte. Elle est verte. Ah, ben verte, je crois que c'est les spéciales. Ah bon? Verte. Désastre un peu plus. Quoi? Cheval de la nouvelle lune. Oh là 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 là! Tu te régales! Deuxième caisse! Choisissez vos récompenses. Rien du tout! Putain, c'est les spéciales, non? Ils sont pas pleins de lumière. Je sais pas, lumière, bon, on verra après. Hein. C'est les mémoires. J'ai rien du tout. Hein. Deuxième caisse, moi j'ai des piercings. Chemin d'expérience doré. Des piercings. Double et double. Très bien. Et ben, troisième caisse. Allez, troisième. C'est le Black Friday. Ouf, rien du tout. Oh, à la cinquième merveilleuse récompense. Que des trucs que j'ai déjà. Vous pourrez échanger un parchemin d'expérience contre des récompenses spéciales toi, dans la boutique à gemmes. Moi j'ai une robe de seigneur sorcier Telvanni. Oh stylé. Oh. Est-ce qu'on s'entend sur une quatrième parce que c'est le Black Friday? Allez vas-y. Quatrième, ça sauce. Va oh la bonus. Une récompense bonus. Oh la bonus. Ah une bleue. Jamais une verte. Excellent. Un dé de rat fantomatique. J'ai un rat fantôme. J'ai encore des tatouages, j'ai trop de tatouages. Du coup, faut qu'on voit ce que c'est que cette monture. Ouais, mais je pense qu'elle est ouf, hein. Parce que vert, normalement, c'est les spéciales. C'est ultra secrètes. Je crois, hein. À moins qu'ils aient changé la couleur pour ces caisses, mais... Ça ferait pas de sens. Normalement c'est bon. Celle-là. Eh mais c'est à peine piqué d'une licence concurrente dont on taira le nom. C'est une spéciale ça, désastre du coup? Je sais pas, je regarde. Attends, ça se voit dans les cristaux, caisse de la nouvelle lune, récompense spéciale. Non, c'est pas une spéciale. Oui si, cheval de la nouvelle lune, c'est ça. Bah oui, c'est récompense spéciale, mais moi je pense que c'est radieuse en fait. Une spéciale. Oh, y a ah, Crane, t'es pas radieux. Il y a le chameau spectral. Je suis déçu. Mais c'est cool, elle est... Moi, je la trouve sympa. C'est une que j'aurais pu acheter avec des couronnes Avec des cristaux. Ouais. Et ma couronne, pardon. Bah, avec des gemmes, ouais. Mais c'est 400 gemmes, je crois. Ouais, moi, j'ai le loup de la nouvelle lune. Toi, t'as le cheval gratos. Moi, j'ai eu le loup. Ah non, mais attends. Tu parles de... Alors, attends. Tu parles de ça, désastre ou pas? Ah, voilà, oui.
Ça, c'est une radieuse, ça. Ah. C'est... Oui. Ah, c'est comme la mienne, mais en mieux. Ah, je suis jaloux aussi. Ah non, mais lui, il est mieux. Ah, il est pris de vampire. Il y avait pire. C'est pas toi qui disais que t'avais pas de chance sur ces caisses. Oh là là. Bah ouais. Oh là ça, là, la chance a tourné. Ça y est, la roue tourne à tourner, quoi. Ça y est. Ah bah, depuis qu'il s'est mis à voter à droite... Les accusations gratuites. Les accusations gratuites. Ah, il est sympa, le petit familier fantomatique, aussi, là. Il est vraiment moche, mais pourquoi pas. Mais Crane qui ne soulève même plus. On peut parler à Dainis quand vous voulez. Allez. Daini. Attends une seconde, il y a Elise. Non, c'est bon, c'est bon. Très bien. 3, 2, 1, clic. Ah, vous revoilà. Et vous avez tous vos membres. Bien, bien. Qu'avez-vous trouvé dans les décombres? Dites-moi qu'il n'y avait pas que des caisses éventrées et des poulets de guerre géants. Bob. Ah, pardon. Nous n'avons pu récupérer que ceci. Des bouteilles brisées et des soies gâtées. Ça ne nous paiera pas une couchette sur Akano et encore moins une traversée en mer. Et maintenant, Antonia est partie nous vendre à Turo. Je vais trouver une solution. Il le faut. Qui est ce Turo exactement? Nous avons trouvé son nom sur le manifeste de marchandises. Un incendiaire à petit groin, avec le cœur aussi noir que ses arbres calcinés. Il contrôle tout Garde Sud. Il... Peu importe. J'ai un refuge au sud d'ici. Mon frère est déjà sur place. Vous pouvez aller les voir? Je vous rejoins rapidement. Nous allons y aller, mais nous attendons des réponses. Bien sûr, Marcheur. Je vous dois bien cela. Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, je veux savoir qui est Antonia. Qui est Antonia? Ouais, qui est Antonia? Parce que Turon, ça va les couilles. Antonia, you know. Voilà, mais on a compris. Bon, on a déjà fait les explications. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et qui est Antonia exactement? Une amie. Enfin, je dis ça au sens large. Une connaissance. Elle s'est collée à moi comme une bernique il y a quelques années. Elle mangeait beaucoup, mais elle donnait peu, mécanique. Vous voyez? Quand j'ai décidé de quitter Garde Sud, elle a insisté pour m'accompagner. Et maintenant? Et maintenant, elle nous trahit pour sauver sa peau. Classique. J'ai toujours su qu'Antonia se dégonflerait et céderait. Mais j'espérais que ça se ferait calmement. Vous pensez réellement qu'elle va vous vendre à Turo? Oh oui. Antonia ment souvent, mais pas sur un sujet pareil. C'est une survivante. C'est certain. Comme un cafard de Rimmen. Enfin, pour le moment. Que Mara lui vienne en aide. Comment ça, pour le moment? Turo n'apprécie pas les mauvaises nouvelles. Et les gens qui les lui apportent, eh bien... Disons qu'il n'apporte plus jamais de nouvelles à personne. Il viendra bientôt nous chercher. Nous devons faire vite. Là, on peut pas rajouter Turo à la liste des gens sur lesquels Sai Sahan doit rouler? Death Note. Enfin, je... Ouais, non. Au revoir. Ouais, au revoir, au revoir. Me casse pas la gueule. Enfin, je... Allons-y. Et du coup, c'est quoi, Bernic? C'est des petits... C'est comme les Bernard Granit. Ouais, ouais. C'est une moule. C'est ce qu'il y a sur les bateaux, je crois. Tu sais, il y a un moment, il faut les enlever, ouais. Parce que sinon, ton bateau... D'accord, il est collé à la coque. C'est une moule. Ouais. Je ne vois pas Narthyse. Avançons. Je ne peux plus attendre très longtemps, Safik. Et tu vois, si t'as ça, ne rentre pas rapidement... C'est là. Ne vous faites pas de nœuds à la barbe, Sormund. Elle va arriver d'un moment à l'autre. Fais-moi confiance. Tiens, reprends de la soupe pour attendre. Tu adores la soupe, pas vrai? Tout le monde aime la soupe. Ça va, parce que nous, on vient voir le petit groupe de Khajiit avec Soysan derrière nous, tout pec dehors. Les noirs ne se sont nullement tirés. Mais ça fait pas trop envie. J'ai ouï dire que les rôdeurs de Wallerousse avaient fait appel à un mercenaire pour les arrêter. Alors, bois et à manger de la soupe, tout ce que. Je rigole, mais lors de nuit fraîche, ce qui doit être le cas, vu qu'on est quand même dans une zone désertique, ça doit faire vachement bien d'être à proximité d'un truc pareil et de boire une boisson chaude. Moi je suis toujours. J'avais très envie moi. Moi je me suis toujours demandé à quel point c'était liquide et à quel point c'était solide en fait. Ce qu'il y a dans la marmite. De quoi la soupe? Ouais, non mais parce que tu peux faire un bouillon, tu peux faire du ragoût, tout ça. Et je me demande toujours la consistance que ça. Est-ce que c'est trop liquide pour être mâché et trop solide pour être bu ou entre les deux?
Bon, entre les deux. Je me pose des questions. J'en ai aucune idée, mais... Enfin bon. Du coup, voilà, les vraies questions. Saphik, parlons à Saphik. Allez, 3, 2, 1, Saphik. Oh, salutations, marcheur. Pardonnez-moi, mais nous sommes-nous déjà rencontrés? C'est à moi, là, non? Oui, tout à fait. Oui. Ok. C'est vous, Saphik? Votre sœur m'envoie vérifier que vos amis et vous alliez bien. Oui, je suis Saphik. C'est Daini qui vous envoie. Et c'est qu'on doit être en danger. Laissez-moi deviner. Elle a voulu voler quelque chose à Turo et ça n'a pas marché? C'est tout à fait ça. Comment le savez-vous? Daini, tu pourrais... Ma sœur est sage et prudente en toutes choses, sauf quand il s'agit de Turo. Vous devez comprendre, il nous a profondément blessés. Elle refuse de l'oublier, quand bien même cela nous permettrait de quitter ces lieux. Elle arrive bientôt. Qu'est-ce qui nous empêche de le buter, Sturo, rappelez-moi. Elle s'occupe de masquer ses traces. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. Saphik, Galenet. Ah, vous voilà. Et Sormund est encore là? Parfait. Plus pour très longtemps, Daini. Je pars avec la marée, avec ou sans vous. Très bien. Alors j'étais en train de vous poser la question, qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir Turo et de lui péter sa nuque et la fibre morale de Crane, c'est vrai. Elle nous retient tous et nous lit. Moi je me demandais c'était quoi l'espèce de gros œuf là-bas un peu luminescent. Oui, il y a même un dragon qui a volé dedans pendant une seconde. T'imagines, c'est un œuf de Kwama? Ce serait ouf, un Kwama Godzilla, ce serait stylé ou pas? Un Kwamadzilla. Le Kwamadzilla. Ce serait pur stylé, enfin bon. Saphik, Galenet. Oui, de parlons vous à voilà. À Daini. Est encore là? Ce qu'on voulait. Daini, 3, 2, 1, clic. Je pars avec vous avez trouvé le bon endroit. Et Saphik va bien? Bon, laissez-moi deviner. Sormund soupire comme un pamar ivre. Ne faites pas attention. C'est un vrai chien des quais. Il aboie à longueur de temps, mais il ne mord pas. Alors, nous avons du travail. Enfin, si vous comptez toujours m'aider. Je vais vous aider. Mais Saphik semble inquiet. Saphik, je l'aime plus que tout. Mais il n'a pas l'audace d'un voleur. Il voit un danger mortel dans un pavé décellé ou dans le moindre vieux clou rouillé. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. J'ai trouvé une nouvelle cible. Turo possède un entrepôt à l'est, plein de marchandises et de trésors. Vous comptez donc dévaliser Turo une deuxième fois? La max! Qui d'autre pourrais-je dévaliser? Turo possède tout Garde Sud. Saphik vous a dit que j'en faisais une affaire personnelle, c'est ça? Lune. Je le répète une dernière fois, je me contrefiche de Turo. Je veux ses trésors et rien d'autre. Vous êtes partant? Oui, nous vous aiderons. Nous vous retrouvons à l'entrepôt. Il y a beaucoup de gardes dans l'entrepôt de Turo, marcheur. Préparez-vous bien, oui? Qu'en fait-il que vous connaissiez cet entrepôt, d'ailleurs? Il appartenait à mon père, avant Turo. Mon père disait que d'anciens prêtres lunes menaient des rituels ici, avant que les vieux temples ne s'effondrent. Certaines personnes pensent que transformer un ancien temple en entrepôt est un blasphème. Je fais partie de ces personnes. Mais, gratteux, fin quoi? Et qu'en pensez-vous? Cela n'a jamais dérangé papa. Il disait qu'entreposer des marchandises dans un lieu sacré empêchait les fantômes de venir y fureter. Je ne vois pas pourquoi des fantômes auraient fourré leur nez dans des boîtes de canne à sucre lune. C'est idiot, non? Papa disait souvent ce genre de bêtises. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit un PNJ qui dit papa ou maman. C'est tous père et mère d'habitude, on est d'accord, non? Oui, oui, c'est vrai que... C'est vrai. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que papa, c'est la première fois que... Ouais. C'est mignon. Rare. Rare. Et Turo, qu'entrepose-t-il ici? Plus que de la canne à sucre lune, croyez-moi. Cet endroit empêchait peut-être les fantômes d'entrer, mais il ne nous repoussera pas, marcheur. Nous allons prendre ce qui nous appartient. Au revoir. J'ai une question existentielle. C'est la voix d'Isolda. Ah oui, c'est la voix d'Isolda, tout à fait. Oui. J'ai une question existentielle, mais allons-y, roulons parce que... Qu'est-ce que vous avez en tête, Daini? Ce que vous avez demandé, Sormund. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt vos marchandises. Et donc je disais, je regardais sa coiffure à Daini, sa espèce de crête sur le côté en mode punk à chat, si tu veux, et je me disais, mais les Khajiits, ils ont pas de cheveux.
Techniquement, c'est et les flûtes, comment ils font pour souffler non, dedans? Non, mais c'est des crinières, on est d'accord, c'est des excroissances de poils. Mais la question, c'est comment elle arrive à le stylifier, à le laisser pousser assez long sur la tête, parce que même les chats qui ont les poils les plus longs, eh ben, tu sais, ils muent. Donc ça devrait être impossible pour un chat de ressembler à autre chose, ou alors... Bah, qui dit que c'est des vrais cheveux, qui dit qu'elle va pas dans un salon se faire des extensions. Mais tu vois, elle est trop pauvre pour ça. Je suis là. Vite, discutons stratégie. C'est une amie qui bosse dans un salon, qui lui fait ça en fait, parce que mais c'est pas des chats, c'est des cagites. Mais alors, voilà. Le problème, en fait, c'est voilà, elle a ces cheveux-là qui sont trop longs, et tout le reste est vachement court. Donc ça veut dire qu'en fait, d'habitude, elle a le poil aussi long que ça, c'est un Wookiee. Et qu'elle rase tout le reste. Elle rase tout le temps. Tu vois, c'est ça en c'est fait. C'est un tabou chez les Kajiks, personne n'en parle. Mais putain, ouais, ils passent beaucoup de temps chaque jour à tailler leurs poils. Mais tu vois, je me pose des questions et pour extension. Moi ça compte. Pour moi ça compte. C'est un scalp de quelqu'un d'autre. Parce que les Argoniens au moins ils sont cohérents. Ils ont pas des cheveux, ils ont des plumes. Ou alors c'est la façon dont ils font leurs toilettes aussi. Peut-être que ça empêche le cheveu de repousser, soit en grattant ou en coupant. Et ils peuvent décider de moins le faire sur certaines parties et ça pousse plus. Putain, tu sais que ça se tient. Enfin, que ce serait une explication, on me la donnerait, je serais là. Ah, d'accord, oui, c'est valide. C'est non, mais j'ai dit que ça pouvait marcher. Bien joué, bien joué. Je... Ouais. Faudra demander à Bethesda après les picots, les cheveux. C'est toutes les questions du coup. À Bethesda. Allons-y du coup. Dainis, quand tu veux. Bethesda. Allez, 3, 2, 1, clic. Bon, voici l'entrepôt de Turo qui appartenait à mon père auparavant. Ce n'est pas réjouissant de revenir là. C'était mon terrain de jeu avant. Je courais entre les caisses, je me cachais dans les tonneaux. Puis papa est mort. C'est ironique de venir piller sa tombe, oui? Oh putain, donc en plus c'est la tombe du père, on va tomber sur Turo, il va être là. Lorsque j'ai tué ton père, j'avais une voix comme ça! Enfin, c'est vas-y. Vas-y. Son tombeau? Il est mort dans cet entrepôt? Oui, brûlé vif. À l'époque, il y avait plein d'incendies dans Garde Sud pour éradiquer la peste, oui? Turo en a profité. Ces brutes et lui ont acculé dans cet entrepôt leurs concurrents, des cagites, comme mon père. Puis ils y ont mis le feu et fait en sorte que ça ait l'air d'un accident. Je suis navré. C'est donc pour ça que vous détestez Turo. Oui, mais c'est du passé. Je dois me concentrer sur le présent. Turo marque ses marchandises personnelles avec un sceau grossier, pour prévenir ceux qui seraient tentés de se servir. Fouillez les caisses marquées, et nous devrions trouver des objets précieux. Au revoir. On me dit elle a peut-être mantelé ses cheveux. c'est dit j'ai des cheveux. J'ai des cheveux, voilà, mais c'est légit, hein. L'univers, il a fait, oh ta gueule, voilà une mèche. C'est légit. Et ben vite, dans la discrétion, cassons la gueule aux gens. Ah oui. C'est où? Ça lagouille un peu. Ouais. Ça lagouillasse. Prenez les caisses, prenez tout. Yep. Des livres? Je doute que Turo sache lire. Ah, en plus, t'as les sélectifs. Oh, non, pas des poteries, il y a pas même des livres. Des liqueurs de Torval? Ma race est... Ah, la porte de la cave. Papa y rangeait toujours ce qu'il avait de plus précieux. Papa. Allons voir. Ouais, j'avoue, le papa, c'est bizarre. Mais en fait, je l'entends avec, tu sais, fouillez-les en vitesse. L'accent un peu vieil anglais. Cachez-vous, vite. Papa, ouais. On se cache. Ah, le retour de la cage dans la caisse. Grâce à ce poste, j'aurais dû les brûler en même temps que leur père. Enfin, il n'est pas trop tard. Putain, mais t'as des plumes. Merci. Chut. Oh, avec plaisir, Turo. Je suis à votre service. Bien sûr, tu as travaillé avec elle, alors tu comprends mon dilemme. Les affaires, c'est les affaires, Antonia. Tu comprends, bien sûr. Quoi? Non. Oh, marteau, mec! Il a planté un clou. Cold Stone! Eh, mais c'était tellement le padré de la mafia. Mais oui, tu peux comprendre ça, Antonia.
Ah, mais surtout... J'ai beaucoup aimé les affaires sont les affaires, Anthony. La façon dont il a dit, c'était... Ah, mais ça, c'était fantastique. Et le coup de marteau, pas sur le front, en mode Walking Dead, quoi. Splait. Et vous entendiez bien les dialogues, moi, c'était super loin. C'est parce que t'étais dans un tonneau, c'est normal. T'avais pas la tête au bon endroit. Désolé, bon. Oh, mais ce marteau, quoi. Le mec qui a fait la fusion parfaite entre acier, manche, cartilage et arrière de la cervelle. Fantastique. Pur stylé. Allez, Daini. 3, 2... Attends, il y a Saïsan qui a décidé de taper sur les ennemis, alors du coup... Il y a la lettre de Turo sur la caisse à côté de lui. Et d'ailleurs, le mec, il a réagi vite. Hein. On vient de le voir commettre un meurtre, il a déjà écrit une lettre. Hein. Le mec, c'est un Sicilien, mais quand il sort le marteau, ça va vite. Hein. Ça déconne, c'est bon. Vas-y. Allez, 3, 2, 1, clic. Ils sont tous partis, marcheurs. Mon frère, Malabou, Galenet, et même Sormund. Turo les a emportés. Mais la vitesse de ce mec! Oh, mais faut pas les énerver, les Corses, hein! Ça va vite! Enfin bon. C'est à moi? Non, attends. Oui. Ouais. Vous êtes sûr? Ils ont pu aller se cacher quelque part, non? Non, Turo a laissé un message me conseillant de me dénoncer. Il retient sa figue dans sa forteresse et le tuera si je refuse. Par le cœur de Mara, nous y étions presque! Imbécile, imprudente, tout est ma faute. Non, non, c'est la faute de Turo. Vous m'aviez dit que ce n'était pas une affaire personnelle. Ce n'en est pas une. J'ai juste besoin... Turo a tout l'or et... Et... Il a tué mon père. Il l'a brûlé comme du petit bois. Et maintenant il me vole mes amis. Je lui ferai payer. Je lui arracherai les yeux pour les faire dévorer par ses chiens. Non... Non, ça n'a que trop duré. Il n'y a que Safik qui compte. C'est brûlé comme du petit bois qui mais t'a fait. Mais qui ouais, c'est désastre. Mais oui, parce qu'à quel moment. Genre, désastre, ton père a brûlé, tu quel moment... souffles dans ton micro. Mais non, mais à quel moment tu dis il l'a brûlé comme du petit bois. Mais là, elle est vraiment brûlée comme du petit bois. Je sais pas vous, mais moi, elle fait une espèce de tête avec une bouche à l'envers chelou. On dirait qu'elle a fait une connerie. Et là, elle essaie de faire un rictus agressif. Mais le truc, c'est comment elle souffle dans une flûte de pan comme ça. Pour moi, c'est des vraies questions. Elle a fait un vrai rictus agressif tout à l'heure. Moi, c'est des vraies questions. Oui, au tout début. Enfin bon. Comment libérer lui et les autres? Je vais me rendre pour détourner l'attention de Turo. Pendant qu'il se vantera, vous devrez libérer les autres. Commencez par sa planque sur les quais. Elle est au sud, le long de la côte. Retrouvez-moi dans sa forteresse au plus vite. Que les lunes vous guident. Très bien. Nous allons sauver les autres et vous retrouver à la forteresse de Turo. Bonne chance. Bon bah allons tabasser. Eh ben elle est bien cette quête. Moi je regrette pas. Hein. Où est la grille? Elle va nous finir tout le live. Ouais mais c'est honnêtement sympa quoi. Il y a la quête de la vengeance personnelle. On aide Oliver Twist. Enfin Olivia Twist. L'autre. On a pas de, et du petit bois, non, c'est Olivia bien. Twist, ça sonne vraiment comme un nom d'actrice porno, par contre. Olivia Twist. Vous voyez, vous pouvez battre le vieux Sormund, hein. Olivia Twist. Essayez voir, c'est bande de salopards. Au Sormund, il a survécu. Au salopard. Ça déconne zéro. Salopard, crois-le pas, mais c'est une insulte qui passe... et qui ne déclenche pas le rating PG-13, si tu veux, en France. Dans Batman, la série animée, en 1990, c'est des brouettes, si tu veux, genre le Batman, voilà. Il y a, alors c'est comment il s'appelle, Braddock. C'est pas Braddock. Comment il s'appelle le tu sais, le flic un peu en bon point, détective, qui a toujours son gros flingue et qui aime pas Batman, et qui parle avec une voix comme ça. Et ben lui, il balance des salopards, il balance des fichtres et tout le reste, et ça passe. C'est pas Gordon. C'est pas trop agressif, salopard. Bullock, c'est Bullock, Bullock. Ça va, c'est... Mais voilà, ou Murdoch, bon, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, il est ultra stylé. Non, c'est pas Murdoch. Non, mais là, c'est Bullock. J'ai toujours trouvé que Bullock, c'était le meilleur perso de Batman. En plus, il y a un épisode où tu le vois dans son appartement et c'est Bigby, le mec. C'est stylé. Ses meubles, Alors, ils sont... Pour moi, en... ça reste c'est... Alfred. Ses meubles, ils sont en clope. C'est stylé. Enfin bon, du coup, parlons à Sormund. Allez. 3, 2, 1, clic.
Par le cul bronzé de Kin que je suis content de vous voir. Ils n'ont eu ni vous ni Daini, hein. J'aime bien lui. Le cul bronzé de Kin. Pas encore. Vous pouvez marcher. Ah, il en faudrait davantage pour me mettre hors d'état de nuire. Ça va aller. Mais le petit, là, Safik, il est pas fait pour ce genre de traitement. Je m'inquiète pour lui. Et pour les autres. Bon, d'accord, voilà. Je l'ai dit. Où sont les autres? Vous avez vu où sont vos ravisseurs les ont amenés? Non, mais j'ai mon idée. Turo se donne des airs, mais c'est pas un romantique, c'est un opportuniste. Il va pas tuer ces vauriens s'ils peuvent lui rapporter quelque chose. Allez fouiller les cavernes près du noyeur de rêve, son navire de transport d'esclaves. Stylé. Avec un peu de chance, vous les trouverez là. Le mec, il a un navire de transport d'esclaves. Il s'appelle, le noyeur de rêve. Oh là là. Oh. Mais c'est possible d'être sicilien à ce point? Le mec, je suis sûr, c'est un cagite. Quand il sourit, il a des crocs en or. Il a des gourmets. C'est plus pirate que mafioso. Pur. Oh là là. Meilleur de rêve, j'avoue. Oh là là. D'accord. Nous allons aller chercher les autres dans les grottes près du navire des esclavagistes. Allez, filez. Vous avez dégagé le passage. Je peux sortir. Et je croyais que votre relation avec Daini était purement professionnelle. Pourquoi ce revirement? N'allez pas croire que je me ramollis. Je fais ça pour l'or, purement et simplement. Bien sûr, ces chats ont clairement besoin d'aide. Si je peux les aider, en plus de m'enrichir, c'est encore mieux. Mais... J'aime bien le... N'en touchez pas un mot à mon équipage. Miaou. J'aime bien le... N'allez pas croire que je me ramollis pas, quand même, hein. La vieillesse, c'est l'empire des sens. Pour le départ. L'empire des sens, on fait de la guimole. Retrouvez-moi sur place quand vous les aurez trouvés. Ça parle pas. Wouah, ça t'accueille. Très bien. Où sont le reste des gens? Là, au sud, la caverne des esclavagistes. Mais oui! Oui! C'est Deysan, il déconne pas. Et d'ailleurs... Il est vraiment pas là pour rendre du mieux. Et d'ailleurs, si le jeu était bien fait, parce que je parle mal, on pourrait prendre le bateau des esclavagistes. Prendre les esclaves à bord et leur dire: les mecs, on vous libère, mais d'abord amenez-nous au dragon. Puis après, on leur laisse le bateau sur on s'en bat les couilles. On fait genre comme dans Astérix. On les libère. Ouais, mais c'est stylé. Mais d'abord, tu leur demandes, après avoir les avoir libérés, ça vous dérange pas de nous déposer en route? Service, quoi. Ouais, voilà. Par ici, Malabou est là. Malabou. Est-ce que vous pouvez... Malibu. Est-ce que vous pouvez me pousser jusqu'à Châtelet? Vas-y. 3, 2, 1, Malibu. Oh, marcheurs, les lunes soient louées. Vous n'imaginerez jamais toutes les horreurs que ces esclavagistes avaient promis de me faire subir. Vous êtes un véritable ami, marcheur, un véritable ami. Et maintenant, vous allez me libérer, oui? Oui, bien sûr, vous savez où ils ont emmené Galénette? Elle jurait et crachait comme une enragée. Je lui dis d'arrêter, mais elle ne voulait rien entendre. Ils l'ont emmenée au navire d'esclaves de Turo, au sud-est, derrière la grotte. Le navire ne reste jamais très longtemps à quai. Faites vite, mais d'abord détachez-moi. Au revoir. D'accord, remontez vers le nord, le long de la plage. Le chemin devrait être dégagé. Mille merci, marcheur. J'espère que Daini et Safik sont encore en vie. Faites attention. Au revoir. Et là, ce qui serait stylé, c'est on capture les esclaves, on les vend, malgré les protestations de Crane, et avec l'argent, on paye l'orphelinat que le rendez-vous qu'on a volé au début a empêché d'arriver. Et là, tu vois, Crane, il implose. Ça, là, nous apportons des cours de musique pour qu'ils apprennent la flûte, et en plus, c'est dans le cagit. Et comme ça, tout est bouclé. Oh, c'est pour stylé. J'avoue, t'as les meilleures idées, Crane. Le mec, il vend des esclaves pour monter un cirque avec des enfants orphelins. Ah, la philosophie de chinois, quoi. Horrible. Mais voilà, ce bateau, il m'a l'air très bien, on peut pas le piquer. Bon, c'est un bateau d'esclavagiste, oui, mais
sais, c'est de la réadaptation. C'est comme les hélicoptères de combat russes. T'enlèves les armes et bouffe, ça fait des hélicoptères, tu sais, qui sauvent les gens en montagne et tout. Médico. Non mais voilà. On dirait une grosse pirogue en fait. Il suffit juste d'enlever les missiles. Vite. Allez, galénette. 3, 2, 1, clic. Daini vous aide à vous enfuir aussi? Non, plutôt l'inverse, j'imagine. Merci. Daini s'occupe bien de nous. Alors, occupez-vous bien d'elle, hein? J'ai pas du tout eu ça comme... Exactement, Starbug. Par contre, regardez ses vêtements, qui sont absolument incroyables, et les vêtements Bosmer, qui sont faits intégralement de cuir d'animaux et d'os d'animaux. Il n'y a pas un seul... pas de fibre, pas de coton, pas de rien du tout dedans. Ça n'est que de... comment on dit, de l'anti-vegan, du carniste. Je sais pas, si c'est un vrai mot, c'est pour ça. Ainsi que les scarifications rituelles que les Bosmer se font. Normalement, dans le rituel de la chose, chaque petit point qu'elle se fait, bon là c'est plus pour le style, mais normalement ça a un vrai sens, représente soit une victime qu'ils ont fait au combat et qu'ils ont mangé, un truc qu'ils ont chassé eux-mêmes, soit un ennemi, soit un parent, soit une bête, une bestiole. Ah, plus t'en as, mieux c'est quoi. C'est... Bah, plus t'en as, plus t'es respecté. Ça prouve ta valeur. Ça prouve que t'es un chasseur. Et dans une société qui ne se base que sur la viande et la chasse, si tu veux, c'est stylé. Tu peux techniquement te faire des marques si t'as mangé un membre de ta famille, mais personne n'a autant de membres de sa famille, si tu veux. Je rappelle, ils sont cannibales. Non, mais c'est le principe, on ne perd rien, donc ça fait du sens. Mais du coup, voilà quoi. Donc, je trouve ça ultra stylé. Notamment sa ceinture fait en petit ossement. Je trouve ça. Enfin, voilà. Petit sens du détail, c'est magnifique. Du calme. Daini nous envoie vous sauver pour vous recruter. Pas vous recruter, pardon. Vous devriez partir vous mettre à l'abri. Bah, on me laisse jamais aider. D'accord. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Daini ou à Safik, aucun pouvoir sur Tamriel ne protégera Turo de ma colère. C'est promis. Est-ce que c'est la même voix? Est-ce que c'est la même voix que Pizza des Misfits dans Jem et les hologrammes? Wow. C'est ouf. Ah, c'est très proche. Ouais, est-ce que c'est ça? Bah, parce que si c'est le cas, c'est une voix qui est aussi vieille que celle d'April O'Neil, tu vois, ou celle de Bulma, si tu veux. C'est une voix, ça fait 30 ans on l'entend en fait, et elle est folle. Et là, c'est elle avait une technique de zoom assez incroyable aussi quand même. Oui, elle, moi aussi elle a zoomé des zooms. Ah bon. Enfin, elle est buggée. Pour le moment, occupez-vous de vous. Retournez sur la plage et on va dégager. Non, on a dégagé. Ouais, merci. Donner une bonne leçon à ces salauds, hein? Surtout Turo! D'accord, au revoir. Stylé! En tout cas, elle me plaît cette dame. C'est peut-être une boss meur, mais. T'as presque envie de lui donner des papiers. Non. J'ai dit presque. Le mot important, c'est presque. Non, mais moi, il y a même pas un début de presque, hein. Quoique, au moins, elle le mangera pas, le papier. Mais... Bah, le papier va contre sa religion, si tu veux, donc. C'est compliqué. Ah merde, quelqu'un est mort. Les rats ne sont pas si pénibles. Non. Bien sûr, ils portent des maladies. Mais c'est vrai pour tout le monde par ici. Bah, alors, on a les moyens. Gros chat! Je pense qu'il était AFK, mais il est. Quelqu'un d'AFK, surtout. Ouais, mais il pourra se ressusciter, du coup, c'est cool. Sauf s'il y a une limite de temps sur le. Je sais pas. Il y a une limite de temps, ouais. Attendez, avant d'avancer et de buter plus de gens, Elise. Voilà. Vas-y, Crane, loup-garou, mange-les tous. Ah bah bon? Ah bah oui, oui. Oh là là. Allez, on te regarde. Allez, vas-y. Allez. À gauche, y'en a plein, à gauche, les points. Vas-y, ventre-le. Mord-lui l'œil. Mangez-les. Avec Crane qui se fait plaisir. Et n'oublie surtout pas de les finir. Vas-y. Oh, les sols toits arrière, qui fait lui. Oui, il était stylé lui. Oh là là, c'est tellement classe. Je suis désolé, je voulais voir ça parce que généralement quand tu l'actives, c'est qu'on est en boss, c'est dans la mêlée. J'ai jamais l'occasion de te regarder bien. Et là, j'avoue, c'est oh là là, mais là là là, c'est tellement classe. Regarde le galoper, il est tellement libre, il est tellement heureux. Mais lui, la masse. C'est tellement le pied loup-garou sur le jeu. J'avoue, tu es tellement la bille, toi. Oh là là. Mais ça a l'air OP, hein. Ah ouais, non, c'est... les gifles le truc, oui, les génial. Gifles. Patate de forêt. Oh putain.
Et là, voilà, j'ai remis le timer, il est à fond. Ah, les patates lupines, quoi. C'est bon, y'a plus. Ouais, on peut rentrer du coup. Si là il y a des gardes. Ah non, c'est... j'allais dire il y a des gardes, ouais, mais c'est il faut rentrer, il faut rentrer par la porte. Prends la porte si tu peux passer les portes. Vite, vite, si jamais. Vas-y, vas-y. Va manger les gens, va manger les gens. Il y a Percy. Attends, il y a des gens là-bas. Ouais, joli. Oh là là, ce cirque Medrano. Moi je loot hein. Oui ça loot hein. Mais c'est plus... Bizarrement tu vois c'est moins bordélique et c'est plus agréable de regarder ça si tu veux. Ouais. Je sais pas, je trouve ça très spectacle de devoir courir avec tes deux loups. D'ailleurs un blanc un noir, oh, c'est après. Très stylé. En plus c'est faut un cuisine. Je crois que... Tu es Turo. Il est où Turo? Derrière. Bah il était là. Mais faut qu'il... Ah c'est bon. L'attaque pas, les screens. Ouais, c'est pas moi, c'est pas moi. Vas-y, bouffe-le. Regardez, vous faites peur à ces pauvres esclaves. Faites quelque chose, bande de lâches. Aidez votre maître. Mange-le. Ah, je peux pas le manger. Ah, il peut pas le manger, quel dommage. Ah, vite. Y'a plus rien. Non, c'est bon, ouais, voilà. Non, il est gentil, là. Comment elle s'est retrouvée là? Louez soit Alcoche. Vite, détachez-moi et ouvrez en la porte. Sauver nous pourrons prendre le bateau de Turo pour nous enfuir. C'est surtout comment s'est retrouvé le bateau là. En tout cas, Turo, il a il est gelé le petit bateau. Turo, il a pas fait long feu. Hein. Il est venu, il a été vaincu. Il a pas direct. Il a rien vu. Il est venu, il a rien vu, il a été vaincu. Bah, quoi? Allons-y, Dainis, quand vous voulez. Ah, prérequis. Ok, oui. Allez. 3, 2, 1, clic. Ah, c'était libéré, ok. Tout va bien. Ok. Et ben, allons-y. 3, 2, 1, clic. Vous êtes venu nous chercher. Vraiment, marcheur. Je ne pensais pas voir le soleil se lever. Vous avez pu éviter Turo ou. Bob, je crois. À savoir, hein. Nous avons tué Turo. Je mentirais si je disais que cela ne me réjouit pas. Mais ma soif de vengeance a failli nous faire tuer. Assez d'apitoiement. Nous devrions partir avant que les brutes de Turo ne nous trouvent. Tous à bord, oui? Oui. Un moment pour s'adapter. Ouvrez la porte pendant que je libère mon frère. Partons d'ici. La herse. Se mettre dedans. Oh, il n'y a pas de petite animation. Ah non, tout le budget était parti dans ta transformation en loup-garou, si tu veux. Bon, ça va alors. Ouais, y a bon, des... moi, ça me. Et regarde ça, les mecs du live attendent déjà dans le navire, c'est stylé ou pas? Tu veux nager jusqu'à l'œuf, Elise? Mais arrêtez, remets! Ah oui, mais zone, si je fais ça, c'est un coup à mourir. Tu vas te faire manger, ouais. Vous fait part des pirates. Mais ça, c'est bon, il y aura accès à la fin. Mais pas d'Aini. Ah bah, j'imagine qu'il va y avoir quelque chose. Parce qu'il faut avoir fait les deux elsewhere pour y aller, je crois. Sortez-moi de là et nous la retrouvons ensemble. Ah, regardez, elle fait la bonne réplique. Attendez, revenez. Venez parler à Galinette là. Elle fait réplique de tout à l'heure. Attention. 3, 2, 1, vas-y. L'ami de Daini n'est pas Daini. Elle va bien? Par les eaux d'Ifre, si ce Ragnar de Turo lui fait quoi que ce soit, sortez-moi de là et nous la retrouverons ensemble. Voilà. Là, il va passer les textes. Il y a vraiment une couille dans le pâté. Eh, ils sont foirés, bah ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Daini, du coup. Allez, 3. Non. T'en es pas, Elise. 2. 1. Clic. Eh bien, quelle aventure. Merci, marcheur. Vraiment, nous n'en serions jamais sortis vivants sans vous. Bob, t'as eu que non. D'accord, ouais, continue. Ouais. Mais de rien. Et maintenant, que va-t-il se passer? J'ai pu cacher quelques pierres précieuses de Turo avant que ses gros bras ne me capturent. Je craignais que Sormund n'exige davantage d'argent, mais il s'est radouci. Je n'ai pas posé de questions. Il a accepté de nous prendre à son bord. Ça suffit, oui? Et où allez-vous partir avec Safik? Là où nous mène Sormund. Après des années à me réveiller dans le même cauchemar, une petite surprise ne serait pas pour me déplaire. En parlant de cauchemar, merci de m'avoir débarrassé des miens. La mort de Turo m'enlève un poids. Adieu, marcheur. Accomplir la quête. Vous aussi, vous voulez une couchette sur le navire de Sormund? C'est vous qui est stylé. Oh, non.
Votre destin est plus grand que le briquage de ponts. Mais moi, briquer des ponts et repriser des voiles, je trouverais ça merveilleux. Encore merci, mon ami. Vous pourriez nous pousser jusqu'à Châtelet, on a un dragon. C'est parce qu'ensuite, pour quitter l'île, on peut se téléporter, du fait qu'on est des marcheurs et tout, si tu veux, mais... Oh well. Un bateau, c'est mieux. Très bien, vraie question. Que fait Sormoon au juste? Ah, vous voulez savoir si ses affaires sont légitimes? Nous sommes à Pelitin, marcheur. Toutes les mains sont sales. Ne craignez rien. Sormund gagne son or par la contrebande. Pas d'esclavagisme, pas de piraterie. J'ai vu trop de violence et de malveillance dans Garde Sud. Donc vous allez rester hors la loi. Mon père avait raison. Même quand on sort un chat de sa gouttière, ça reste un chat de gouttière. Je n'ai jamais fait que contourner la loi. Mais vous avez ma parole que même en enfreignant la loi, je ne nuirai à personne. Et les membres de la maréchaussée, connasse, la paperasse, les flics, non, si, peut-être. Peut-être pas de maréchaussée. Pas de maréchaussée ici, voilà, c'est ça. Si, les impériaux, qui essaient tant bien que mal de maintenir une société, si tu veux. Je peux pas savoir à quoi ça ressemble. Non, je ne vois pas ça. En tout cas, le bouclier qu'on a reçu est pur stylé. Ah ouais, ouais. Il est magnifique. Il fait très bouclier, tu sais, comme les légions romaines. Ah ouais, c'est impérial, là, donc. Je me demandais... Est-ce qu'on débloque là, du coup, on a reçu ce bouclier, est-ce que genre on débloque son skin indéfiniment? Non, je pense pas, non, parce que c'est, tes os, c'est quand même l'un des jeux où tu reçois des pièces de stuff dont t'as rien à carrer 99% du temps. Absolument. Malheureusement. De quête. Oui, ils mettent un truc au pif et ils disent tiens, on va mettre là, on va mettre des gants. Absolument. Mais la vérité, en fait, c'est que tu t'en sers pour le désenchantement. Enfin, Oui. Mais non, mais... Bien. Je vais les assassiner. Frappez, maintenant. Le gros chat, il est à moi. On peut pas assassiner les trucs... les mobs hostiles. Si. Pas tous. Pas tous, mais bien mais assez. Peut... Là, c'est quoi la suite de la quête? Il faut chercher Narcisse. T'es sûr que c'est ça là? Oui. Ah oui, c'est à côté. Nord-est. Cherché. Ok. Ouh, attaqué. Eh ben, on les a bullies. Donc, je rappelle qu'on cherche un bateau, hein. Et que le bateau des esclavagistes ainsi que le bateau de l'autre, on n'a rien récupéré. Ouais. La cohérence du scénario. Le petit bateau. Ah, ici, c'est pas par ici. C'est là. En bas. Non, tout en bas, ouais. Allons-y. Saïsan, en tout cas, il nous a suivis. Hein. On a fait l'aventure d'Olivia Twist, il a rien dit, si tu veux. Ouais, c'est ce que je disais, il patientait derrière, genre en se tapotant les avant-bras. En même temps, genre... il disait, il avait l'impression qu'on perd du temps, mais juste avant, il nous a fait un discours. Nous ne faisons pas ça pour l'argent ou la gloire, nous faisons ça pour aider le petit peuple. Arrêtez-vous immédiatement. Il a verrouillé la porte. Reculez. Voilà. Oh la vite, vache. Rattrapez-le. Viril. Et c'est le SWAT. Et donc, oh, disais, juste avant, il nous a fait un discours, il faut aider le petit peuple. Donc, tu sais, ça aurait été vachement hypocrite. Si c'est une manière comme une autre d'attraper un voleur. Oh, c'est marcheur, voilà. Quel plaisir de vous voir. Regardez qui j'ai trouvé. Bonjour. Dites-lui donc bonjour. Pitié, Sachi. Laisse pas Casca m'arracher la gorge. Je vais monter la garde pendant que vous interrogez Narcisse. Alors, question pour les gens du chat. Ça, à votre avis, c'est altération ou évocation? Je dirais évocation, hein. Évocation, ouais. Invocation, mm-hmm. Ouais, invocation. Ah, vu qu'il y a les chaînes qui apparaissent. Ouais, mais altération, ouais, quoique non, ouais, t'as raison. Altération serait une paralysie classique. Bon, voilà, on verra pas de... Sauf s'il manipule les chaînes. Si les y chaînes y a une mouette des... Très bien, il y a une mouette. Argument recevable. Continuons. Parlons à Zaji d'abord. Et à Casca, ça m'intéresse. Zaji d'abord. 3, 2, 1, Zaji. En général, c'est moi qui parle, mais je ne suis pas doué pour les sorts. Je continue de faire flotter le cul musqué, et vous vous chargez de l'interrogatoire. Très bien. Je sais pas pourquoi qu'est-ce il fait penser avec à le Yojimbo cul de dans les Tortues Ninja. De qui? À Yojimbo.
Dans les tortues ninja. C'est la manière dont il attache ses cheveux, je pense, et le bandeau. Ouais, c'est pour ça qu'il pas, il fait penser ça. À Usagi Yojimbo. Mais Usagi, c'est un lapin. Oui. Et tu sais qu'il y a un manga hein, qui est ultra violent. Pareil, ouais. Ouais, j'en ai lu quelques temps, mais c'était ultra stylé. Allez, Casca. Casca. 3, 2, 1, clic. J'aimerais bien passer un peu de temps avec Nartise, mais il ne me parlerait pas. Alors je vous laisse poser les questions. Je suis sûr qu'avec des plutôt qu'elle veut le bouffer. Ouais, hein. C'est ça, je suis sûr ouais, qu'avec ouais. des champignons et quelques épices, il te parlerait. Hein. Ça passe, hein. Ouais, ça passe. Hein. Allez, Nartise. 3, 2, 1, clic. D'accord, d'accord, j'avoue. J'ai volé le bon parfait et je l'ai amené à Garde Sud. Mais j'ai plus le navire. Je vous jure. On s'en fout de ça. Pourquoi vous vous appelez Nartise? C'est vraiment un nom pourri. C'est qui, c'est à moi, là? Comment ça, vous n'avez plus le navire? Je l'ai vendu à l'amiral Irati. Mais il n'a pas encore levé l'ancre. Le navire est encore à quai au sud. Irati a même pas fini d'embarquer ses esclaves. Et vous avez vendu le navire à des esclavagistes? J'ai dit esclaves. Oh, merde jusqu'au bout. Suis-je bête? Je voulais dire la marchandise. Ils embarquent la marchandise. Je vendrai jamais un navire cagite à un esclavagiste. Si vous me mentez, je le saurai très vite. D'accord, tandis d'accord. Que... Oui, Irati est une esclavagiste. Mais je vous jure que je le savais pas avant de lui vendre le navire. Pitié. Vous devez me croire, je suis innocent. Il est pas innocent, c'est un elfe non, noir. Innocent, non. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. On s'en fout de ça. C'est juste que vendre des esclaves. Noir. Des... Non mais vendre des cagites en esclavage, c'est normal pour un elfe noir. Oh, que... Non mais pour un elfe noir, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que il a pas les yeux rouges et ça me perturbe. Ah, il y a des lentilles peut-être. Non, tous les elfes noirs, sans exception. Ont les yeux rouges et la peau sombre. Ça fait partie de la malédiction d'Azura. Si c'est pas le cas, c'est que tes os s'est chié dessus. J'ai jamais remarqué. Hein. Mais les Khajiit, ils ont des extensions de cheveux. Les elfes noirs, ils ont des lentilles de couleur. Il a pas peut-être le problème. Oui, mais attends, les extensions de cheveux, c'est mentionné nulle part. Donc à la rigueur, tu peux bien inventer tout et dire tout ce que tu veux, ça passe. Mais les yeux rouges, ça fait partie du lore. Si tu commences à redcon le lore et à faire n'importe quoi, bug Dejda, on se dirige vers un nouveau Fallout 76. Attention. Attention. Nous verrons cela. Sache que Zadji ne t'en veut pas. Dans notre métier, on nage ou on coule. Oui. Oh. Oh, il a été sympa. Bah, oui, c'est vrai. Tu ne sais pas nager. Oh, mais il a pied, là. Quoique, on voit les petits poissons tous là qui mangent. Qui mangent, qui sont en train de manger. Bah, il a pied. Non, il a pas pied. Putain, c'est profond. Bien joué, Naruto-chan. Il est vraiment petit. Putain, c'est profond. Et encore, il a été sympa. Il a visé l'eau, il a pas visé les rochers. Hein. Perso, moi j'aurais visé un rocher. Tu sais, pour qu'il se pète un bras avant de nager. Ouais, oui, qu'il s'explose et tu sais, qu'il meurt à moitié. Quoi. Quoi, ah, c'est peut-être un. Et si c'était un Dunmer croisé avec un Bosmer, on me dit sur le chat. Impossible. Tu peux pas faire des races croisées comme ça. Ce sera toujours du sexe de la ah mère. Ah oui, un seul truc. Ah, quoi que non, attends, non, j'ai tort. Bah, ça, si. C'est... si sa non, mère non, est un Bosmer. Ça, c'est le cas si c'est des Beast Race. Tu peux faire des demi-orques, il me semble. Peut-être. Je sais pas. Bah oui, il y avait eu une quête comme ça dans Kerim, il me semble. Ou dans Oblivion. Il y avait eu un truc comme ça, il y avait une face. Il me semble que tu peux les croiser. Tiens. Ou alors c'est peut-être que les orques. Mais les orques, techniquement, sont pas différents des Altmer, si tu veux. Ils viennent de la même souche. Des Altmer, ils viennent de la même souche, les Altmer. Donc c'est. Techniquement, tu peux croiser les races. Hein. Les Bretons, c'est des humains avec du sang Altmer. Hein. Tout à fait. Donc, oui, et puis d'elfe à elfe, c'est plus la même race qu'un lion et un poney. Après, le problème des elfes noirs, c'est que tu peux pas les croiser vu que leur génétique vient pas de leur génétique. Les elfes noirs. Donc les comment s'appellent les machins mères. Les elfes noirs, c'est les Dunmer. Les Dunmer, ça vient d'une malédiction. Donc les Dunmer, basiquement, c'est tous des bébés Altmer, ou Altmer, si tu veux. C'est oui, tous... mais peut-être que la malédiction, elle se transmet, je veux dire, à un moment, sinon ils seraient plus... C'est pas qu'elle se transmet, c'est qu'elle s'applique. Ton bébé, il naît jaune, et à la seconde où il naît jaune, il devient noir avec les yeux rouges, si tu veux. Enfin, bleu avec les cheveux, enfin, bleu foncé avec les cheveux, enfin, vous m'avez compris. Oui. Mais je vois pas pourquoi certains caractères seraient pas héréditaires et d'autres moins...
On me dit, sur Tezo, ils ont permis de créer des Dunmer aux yeux gris aussi, ce qui est débile, on est d'accord. Et du coup, il y a des PNJ Dunmer à Vardenfell, entre autres, avec les yeux gris. Miséricorde. Oh, d'où Jésus. Oh là là, perk, perk, perk. Azura est là. Ouais, bon, Azura, elle s'est relâchée. Le décompte. Azura, elle s'est relâchée. Vas-y, vas-y. Zodji, 3, 2, 1, Zodji. Tout s'est passé comme prévu. Honnêtement, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive. Vous pensez que Nartiz va se noyer ? J'y compte bien. Les esclavagistes n'ont pas leur place en Elsewhere. Mais il y a plein de places au fond des mers. Kenarty aura pour peut-être pitié de Nartiz et le guidera vers là où les elfes noirs s'en vont. Son âme sera offerte à Azura. Du coup, on dit mange tes mœurs. C'est ça. Il dit peut-être la vérité. Il ne savait peut-être pas qu'Irati était une esclavagiste. Tous les marins de la baie de Topal ont entendu parler de l'amiral Irati et de ses pratiques. Elle a fait souffrir de nombreux Khajiits. Mais maintenant, nous avons une chance de le lui faire payer, oui ? Ah, qu'avez-vous en tête ? Oh, vous voulez un plan ? Alors ce plan serait... Ah ! Avec le barbu, je vais attirer les esclavagistes. Pendant ce temps, Casca vous aidera à capturer le bon parfait. Nous nous retrouverons lorsque le chemin sera dégagé. D'accord, nous allons prendre votre navire avec Casca. On me dit dans le chat que dans Skyrim, il y a un Dunmer avec les yeux violets. Est-ce qu'il a une prédisposition particulière ? Est-ce qu'il est lié à un des draps particuliers ? Est-ce qu'il est magique ? Ben, il y a des tas de choses qui peuvent altérer ça. La petite fille de Barenzia et du Rossignol. Ah Carlier. Oh, alors là, bah, c'est un petit peu de la lignée divine, si tu veux. Et de plus, la petite fille de Barenzia ou du Rossignol, de la lignée des voleurs, elle est directement sous la bénédiction de Nocturne. Genre direct. Donc dans l'absolu. Pour ça. À mon avis, ça compte. Oh. C'est genre quand tu bosses pour Molag Bal, t'as les yeux bleus. Tu vois, ça me. Ouais, je vois. Ça me paraît. Ah, il faut qu'on parle avec Saisan, pardon. Parle à Saisan. Ah, mais d'accord, je faisais le tour, mais en fait, le truc était absolument à côté. Oui, oui, voilà. reviens. Oui. Voilà. Allez, 3, 2, 1, Saisan. Malgré mes inquiétudes, je pense que nous devrions suivre le plan de Zalji. Ah. En outre, mieux vaut que vous aidiez à sécuriser le navire. Il ne faudrait pas que nos nouveaux amis lèvent l'ancre sans nous. C'est à moi. Ouais. Oui. Vous pensez qu'ils vont revenir sur leur offre de nous emmener sur l'île ? Disons que je n'écarte pas la possibilité. Aelia Renmus a l'air respectable, mais elle n'est peut-être pas très psychologue. Pour le moment, respectons notre part du marché. D'accord, on va au navire. Je sais ce que c'est, sa voix ! C'est la voix de Jub ! Ah oui, c'est vrai dans que c'est Skyrim. La voix... C'est... Bah, même pas dans Skyrim, dans Morrowind. Ouais, mais... Bah, en tout cas, dans Dawnguard que j'avais fait il y a pas si longtemps. Donc si Jub... Ah oui, parce que voilà. Jub dans Skyrim c'est ça. Se trouve dans le cairn des morts, c'est ça ? Ouais, c'est à c'est quand tu fais Dawnguard, oui, le truc des... Il est dans le cairn des morts. Et il... après sa canonisation en tant que Saint Jub selon l'église... Des Dunmer parce qu'il a viré tous les braillards des falaises de Morrowind. Petite explication de lore qui fait plaisir. Mais du coup voilà, c'était ça depuis le début. C'est je ça, le c'est savais. Ça. Non, bien joué. Pourquoi il y a autant de rats ? On m'a dit en aggro, c'est comme ça, quoi. Ah, pas fait gaffe. Très bien, accédons au bateau. À nos bateaux. Ah mais c'est Irati ça. Ah d'accord, directement. Je n'ai pas juste un mot. Madame. Pour moi Irati, on dirait le fromage. Hey, mon cher Crane, je veux pas dire. Mais ça fait deux esclavagistes en une après-midi. On est bien ou on n'est pas bien ? Ah, c'est pas mal. On est bien. Ça, c'est bien. On est bien. On n'est pas d'accord sur quoi faire des esclaves, mais au moins le boulot avance. C'est-à-dire, moi je veux les libérer, mais toi tu veux monter un cirque. qui pilote ? Qui sait piloter un bateau ? Eh.
Non, t'es un chat. Oh, quel plaisir de rentrer chez soi. Non. Nous devrions faire voile pour Sanchal avant l'arrivée des renforts. Bien dit. On va dire Sylvain. Emmenez-nous loin. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Alors, en termes des gens qui pilotent, le seul qui serait réellement apte, et probablement qui saurait comment faire, c'est Crane, hein, je rappelle. Ah bon, parce que j'aurais eu une éducation... Les Rouge Gardes ont une éducation extrêmement maritime, contrairement à ce qu'on peut penser. D'accord. Exactement, notamment dans Red Guard, qui est une aventure tout à fait. Parce qu'ils sont un peuple de la mer et du sable. C'est comme ça que leur planète se décomposait. Les Argoniens sauraient comment se déplacer sur l'eau, mais en nageant eux-mêmes, pas en déplaçant les gros navires. Tu peux pousser le bateau. Exactement, voilà, c'est pour ça. En tant que Nordique, je pourrais te dire comment se déplacer dans la neige ou comment manger une chèvre, mais des bateaux, c'est pas non plus mon kiff. Et enfin, Élise, c'est un cagite. Est-ce que tu laisserais ton chat conduire ta voiture, si tu veux ? Voilà. Pas de mystère. Pas de. Voilà. Je m'arrête là, si tu veux. Voilà, ça suffit. Allons-y. Faut cliquer sur le gouvernail, du coup. Et on se fait encore un naquet de l'animation. Ah, on imagine que tu fais des drifts avec le bateau et des loopings. Y'a pas Isgrimor qui a débarqué avec des bateaux? Je vous avais bien dit que le capitaine reprendrait le bon. Le style de Schisbarry l'égayé, en haut. Ah, Elia Renmus! Elle est revenue! Du coup, est-ce qu'elle va venir avec nous? C'est de nos membres d'équipage maintenant? J'espère. Alors lui, par contre, il fait semblant de travailler. Hein. C'est un elfe. C'est un elfe blanc. Enfin, un OF. Oh la vache, c'est charisme. J'avoue, il est beau ce bateau. Hein. Ouais. Oh mon bateau. Ouais, oh mon bateau. Il rend bien. On peut pas rentrer, hein, non. Non. Pour l'instant, on ne peut que regarder. Regarde ça. Et même Elana qui balaye. J'avais même pas fait gaffe. Mais ces gens qui se font passer pour des PNJ, ils le font tellement bien. Mais ouais, c'était ouf. C'est on ouf, dirait hein. Que la petite est montée à bord. C'est tellement fou. Ouais. C'est voilà, par contre, là, il y a une photo. Il tape avec son marteau. Excusez-moi, il y a une photo avec Saïsan. Hein. Laissez-moi juste prendre la picture, là. Oh là 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 là. Le gars qui prend un selfie avec son influenceur préféré. Non, mais viens te mettre à ma position. Et viens pas me dire que dans le soleil couchant, avec le reflet de l'eau et les rayons du soleil qui se dessinent sur son corps galbé à la perfection. Enfin moi, je crois que Kane a mon live de toute façon, donc il voit l'image. Mm-hmm. Et là l'imagerie elle est folle. Ah c'est Fantasia, hein, ça met la max. Oh. C'est très joli. C'est beau. Du coup. On lui parle. Ouais. Elia. Scantu. Désastre. Perdu. Ok, c'est bon. 3, 2, 1, Aelia. L'équipage m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis contente que vous les ayez aidés à récupérer le bon. Zadji n'aurait pas bien vécu la perte de son navire. En parlant de Zadji, il a accepté de vous conduire sur l'île ? Oui, nous allons bientôt lever l'ancre. Je m'en réjouis. Je savais que Zadji ne vous laisserait pas en plan. Et je viens avec vous. Si ce dragon compte attaquer Sanchal, je veux participer à sa défaite. Et puis, je suis sûr que deux bras en plus vous seront utiles. On aimerait plus un arc, mais pourquoi pas. En quoi pouvez-vous nous aider ? Je suis très doué à l'arc. Et j'ai conscience des risques, croyez-moi. Mais cette ville, c'est chez moi. Je ne peux pas rester les bras croisés en espérant que vous pourrez dissiper la menace. Pas si je peux vous aider. Je refuse de rester là pendant que mes amis et mon père se mettent en danger. Très bien. Bienvenue à bord. Partons. Et à l'aventure. C'est dur de faire sonner la misogynie correctement. Est-ce dans qu'on n'ouvrirait pas des caisses après. Ah si. Attends. T'as vu la carrure de mon gars? Et l'autre, elle dit, je peux aider. Ils m'ont encore ignoré. Non, mais pardon, on ouvre les caisses. Il faut. Non, non pas que je partage les opinions de mon gars. C'est juste que, voilà, pour le drama, si tu veux. En plus, ça lui donne une chance de se prouver par la suite et de me donner tort. C'est épique.
Caisse. Bien sûr, des caisses. Pour moi, ça fait partie de la narration. Je vois que la chance vous accompagne aujourd'hui. Allons-y, une caisse. Je suis sûr que vous aurez la main heureuse. Allez, c'est parti. Les bonnes idées d'Élise, est-ce que ça paye? Ça paye avec un ourson masqué. Et nous pourrons commencer. Tu vois? Ça n'a rien payé du tout. Faut toujours m'écouter. Non, fais pas croire que c'est grâce à toi. Moi, je mets ça sur le compte de désastre. C'est bien. Deuxième caisse. Je n'ai jamais vu un. On m'a récemment dit que j'étais un porte de bonheur. Parce que j'ai toute la poisse pour moi et pas pour les autres. Tu la poisse. Et t'es tellement porte bonheur que j'ai double parchemin d'expérience de la caisse à couronne. Moi que les trucs que j'ai déjà. Ok. Troisième caisse. Allez. On y croit. Que du bleu, hein. Oh, mais que du bleu aussi. Malheureusement, deux choses que j'avais déjà. Un léopard sench, t'as acheté des neiges, mais c'est un familier. Ah, mmh. Et un parchemin à couronne. Encore une fois, parchemin, mon cher aussi. Ami. Quatrième caisse. Allez. On est riche, c'est le Black Friday. Je vois que vous êtes prêts à jouer. Excellent. Encore des bleus. Oh, mais de la merde. Une chauve-souris nulle. Ah là là. Fantastique. Quoi, deux fois le masque de poupée de Dibella. C'est la poisse. Hein. Ah ouais, là, pas c'est terrible. Il y a tellement de trucs que j'ai pas en violet et tout ça. C'est ça, c'est la poisse. Non, il veut pas. Voyons voir, transformons tout ceci en gemme et avançons. Oh, c'est moche. J'ai rendu actif le truc. Waouh, on dirait le Joker. Quoi donc? Mais en noir, mon tatouage le sur la page. Tu vois? Bon, ça va. Ah, c'est moche. Oh non, c'est pas beau. Non, non, non. Ta gueule. Non, non, non! Ah la prochaine! Pas, pas plus que d'habitude. Ah si, c'est stylé! Bah ouais, moi je trouve ça pas mal. Excellent. Très bien. Ok, ok. Du coup, il faut qu'on parle à tous les membres faut de l'équipage. 4 membres d'équipage. Oh, c'est beau ça! Alors attends, d'abord je suis les conseils des gens, on m'a demandé. Ah non, il faut parler à Saïsan. Est-ce qu'on peut parler à Saïsan d'abord? Allez. Oui, ah non, 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 Saïsan, c'est l'objectif. Étape optionnelle, parler avec des membres d'équipage. Donc, comment ça se passe? Ah oui, oui, c'est vrai. Là, Oraison, là, il y a un mec qui s'appelle Oraison. Oraison. Ah oui. Là. On l'appelle Flo. Truptor. Non, c'est nul. Ça, c'est stylé. Nul, désastre, nul. Ok, vas-y. J'ai pas entendu. Allez, 3, 2, 1, Floraison. Le capitaine a récupéré le bon, on dirait. Comme à chaque fois. C'était pas la première fois qu'il le perdait, vous savez. Putain. Il est tellement. C'est la première fois que vous perdez. Ils sont tellement bas les couilles. La violence. Vas-y, désastre. Désastre. Que faites-vous pour le capitaine Zaji? Tout, ou presque. Sans moi, tout le navire finirait par sombrer sous le poids de la crasse et des berniques. Et si Butor ne le remarquerait sans doute même pas. Assez bavardé. Je dois aller voir dans quel état est le bon. Cette nonchalance, quoi. Tant qu'il ouvre l'œil, et le bon. T'avais pas le droit de rigoler à ça. Tu sais. Ouais, je rigole à tout, c'est bon. C'est la blague à la Rick et Morty, hein. Tu vois, ce mec comprend. Non, mais cherche pas, il fait juste ce bruit bizarre toutes les 5 secondes. Vas-y, vas-y. Allez, 3, 2, 1, casse-cas. Vous n'êtes pas mauvais, je l'admets. Mais de là à tuer un dragon, nous verrons. Je continue ? Oui. Oui. Que pensez-vous de notre chasse au dragon à venir ? Les chances ne sont pas de notre côté. Nous ne connaissons pas l'île. Nous ne connaissons pas la puissance de ce dragon. Nous allons devoir improviser, et cela se passe rarement bien. Oh, le passif agressif ! Si vous avez peur, rien ne vous force à venir avec nous. Vous pourriez rester à Sinchal. Pour attendre que le dragon brûle la ville? Non. Mieux vaut mourir en combattant que périr caché derrière un mur. En outre, nous sommes des profiteurs de guerre. Le risque, ça nous connaît. Alors on dirait que vous êtes prête au pire. Il faut bien que quelqu'un le soit sur ce navire. Si tout le monde ne prévoit qu'un grand soleil, comment pourrons-nous survivre à la tempête? Malgré l'adversité, tout n'est pas perdu. Si nous pouvons nous battre, nous avons toujours une chance de gagner. Au revoir.
stylé. Vous remarquez aussi un petit détail, qu'elle porte une moitié de collier, oui. Pardon, tandis que oui. Jazzy porte l'autre moitié de collier. Donc ça se trouve, donc ça se trouve, ils sont plus que partenaires, ce que je trouve absolument adorable. Je chie. Non. Ça s'est passé. Non, je suis tombée, je vais mourir. Elle a chu, elle se fait manger. Soigne-la. Non. Mais il a pas de collier, Jazzy, je vois pas. C'est bon, j'ai géré. Non, il a pas de collier, Jazzy, je l'ai pas vu. C'est pas un collier, c'est une broche, mais vous verrez. Ah, parce que je trouve par où on remonte. Par la porte. Peut-être. Ah, t'es obligé par de faire le tour vers la plage. Ici, hein. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, cool. Tout va bien. Du coup. Mais ne tombez pas. Ah, mais depuis le début, c'était pas un PNJ. Qu'est-ce qu'il a encore? J'ai trouvé un. Bah, c'était un vrai joueur, j'avais pas marqué. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais j'avais pas fait gaffe. Moi aussi j'ai fait gaffe, j'étais persuadé que c'était un vrai joueur. Enfin que c'était un vrai PNJ en fait. Ouais alors. Pur stylé. Ouais mais là. Alors il est level 27 mais il dégueule mille fois plus le style que toi. Bon, faut parler aux deux Billy qui sont derrière. Ouais, et Zagi a bien l'autre morceau du. Ok, allons-y. Sidura. Sidura. Allez. Zal, c'est vous qui nous avez rendu le bon parfait, oui? Merci. Le navire n'a rien d'exceptionnel, mais c'est ma seule maison depuis très longtemps. Avant même que Zadji n'en soit capitaine, en fait. Vous naviguiez déjà à bord du bon parfait lorsque Zadji était capitaine, paraphrase? Oui. Lorsque le navire appartenait à un type assez pénible, Bazar le Taureau. Un capitaine sans cœur, qui se moquait de son équipage comme d'une guigne. Le bon était bien moins haut en couleur à l'époque, à bien des titres. Et Zadji vous convient comme capitaine? Qu'est-ce qui pourrait nous déplaire? Il respecte son équipage et s'assure de notre bien-être. Et il a toujours hâte de repartir à l'aventure. C'est un peu contagieux, à vrai dire. Mais je ne sais pas si ce navire fonctionnerait sans cascade. Mais est-ce que c'est One Piece, en fait? Comment cela? Je ne nierai pas que Zadji est rusé lorsqu'il en a envie, mais c'est Casca qui maintient le navire à flot. Elle programme les réparations, supervise les approvisionnements et paie l'équipage. Et elle nous protège, bien sûr. Je ne l'ai jamais vu perdre un combat. Et ben moi, j'attends de voir Casca avec une paire de lunettes, tu sais, avec les petites perles qui le relient derrière les oreilles, si tu veux, et un stylo. Ouais, alors... Moi je dis, Ronchon, passive agressive, organisée pour les autres, ça va commencer à me faire penser à quelqu'un. Non, j'avoue. Surtout passive agressive. Alors par contre, She's Barry l'égayée, elle me met déjà de bonne humeur. Ou il, non? Non, elle. L'égayée et eux. Moi je mate ses seins, si tu veux, tu te dis, ah, voilà, c'est là. Moi je vois que ça te baloche. Non, mais c'est juste relâche pour ça. Mais par contre, regarde la taille de son balai. C'est pas un balai, c'est une poutre. Elle balaye avec l'arme aussi. Elle balaye avec une poutre, ouais, j'avoue. C'est la violence. Hein. J'avoue. Putain. Ah, c'est ça balaye et ça ponce. Ça ponce en même temps. La violence. En fait, des fois, ils prennent des modèles et ils les agrandissent juste. Et la queue balaye le sol. Bah, en même temps, on met juste le modèle plus grand. En même temps, Crane, qu'est-ce que tu ferais avec quelqu'un d'une si grande taille pour lui filer un balai? Tu lui donnerais un balai à sa taille? Bah oui, mais pas forcément plus large. Enfin, quelqu'un de plus grand a pas besoin c'est de. Une botte de fouet, en fait. S'il faut que tu puisses prendre en main le truc. Et puis pense à sa poigne, ouais, exactement. Et c'est pas si le poids supplémentaire la dérange. Je veux dire, t'as eu la taille de ses bras. C'est pas des bras, c'est des flingues. Je veux dire, She's Barry l'égayé, c'est une cagite, mais elle est armée en calibre 50. C'est la violence. Regarde juste la taille de Elise à côté, si tu veux. C'est ridicule. Bah, Elise, c'est son doudou, tu sais. Non, Elise, c'est son 4 heures, c'est la violence. Ouais, je l'assassine quand je... Non, mais tu sais qu'elle est à deux doigts de te saisir et de balayer hein, avec tes dreads. C'est à peu près la même épaisseur. Hein. Je veux pas parler, mais... C'est la violence, ce balai, quoi. Ah, c'est un Nimbus 8000, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est Fantasia, tu sais, la musique. Mais c'est version métal.
blablabla. Pardon, allons-y, vas-y, parle, c'est quand tu veux. Allez, 3, 2, 1, clic. Faut que tu me coupes, hein. Je nettoie. Vous pouvez m'aider à nettoyer ou arrêter de me déranger. Oh là là. Elle est pas très égayée, si on est. Il y a même plus passif, là, c'est agressif direct. Quoi. Que faites-vous pour le capitaine Zadji? Tout ce qu'il faut faire. Je nettoie, je balaie, je poignarde. Parfois, je poignarde, puis je nettoie. Et je suis connu pour ma disposition enjouée. Youpi, vous voyez, je suis toujours enjouée. Putain, Crane, faut... Crane, t'as pas le choix, faut que tu la courtises. <C'est... rire> Au revoir. Parce que si on ça, avait une série... C'est quoi, si on avait une série animée de nos aventures, là, il y a un épisode filler où tu l'emmènes à dîner, si tu veux. Et là... Super. C'est voilà. Ça, elle est trop hypée, mais elle l'est pas en fait. J'ai passé une formidable journée. Bon, je vais balayer. Merci. C'était un moment magique. Allez, on retourne au bateau. La violence. Tu lui offres un bouquet de fleurs quand t'arrives, elle le sniffe du bout du museau, puis elle mange elle dedans. Tu vois, c'est ça. C'est fantastique. Elles ont bon goût. Bah, incroyable. Allez, c'est Istan qui regarde le coucher du soleil. C'est le meilleur perso, si tu veux. En train de penser à son... larmes à son passé. Côté de l'œil. Et si l'épisode devait se faire... Elle pense à sa liste des neiges. Mais si l'épisode devait se faire, Crane, c'est parce que mon perso la trouve terriblement sexy et ose pas lui demander son numéro. Du coup, c'est toi qui lui demandes et elle t'invite à dîner sans que tu le veuilles. Mais tu sais, tu peux pas refuser. T'as pas eu le temps. Elle t'a déjà dit, youpi. Le twist, le triangle amoureux du drama total. Ah putain, pardon, excusez-moi. Allez, ok. Taïsan, 3, 2, 1, clic. Maintenant que nous avons un navire, la prochaine étape est de pénétrer dans l'antre du dragon. Zadji va rester sur son navire au cas où nous aurions besoin de partir rapidement. Casca, elle, a demandé à participer à notre chasse. Vas-y, Elise. Aelia veut nous aider à tuer le dragon. Si elle désire protéger son foyer, nous devons lui en donner l'occasion. Lorsque nous aurons rejoint l'île, nous chercherons le dragon. Heureusement, nous aurons le corps de Jadari pour nous aider à affronter la bête. Un corps du dragon nous facilitera certainement le combat. Tout à fait. Notre voyage pour récupérer cette relique aura été long, mais c'est une arme précieuse. Cela dit, nous rencontrerons peut-être davantage qu'un dragon sur cette île. Corps de la résistance, mais de quoi parlez-vous? On a vu un autre navire se diriger vers l'île. Je ne sais pas si son équipage est hostile ou amical, mais nous devons nous préparer au pire. Nous pouvons lever l'ancre dès maintenant. Ou préférez-vous prendre un instant pour faire connaissance avec l'équipage? Ah, Crane, un troisième navire esclavagiste dans la même après-midi? Le chelem, le grand chelem, le grand chelem. J'ai déjà parlé à l'équipage, partons pour l'île du dragon. Très bien, partons éliminer ce dragon. Ikuzo! Il est tellement viril. En voiture, Simon! Moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Oh là là. Waouh, c'est beau! Je prends 1000 screens. Foyer marée. Il est joli. Pas mal le fond, ouais. Waouh, c'est beau! C'est Koh Lanta! Effectivement. Pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Jazzy, vous vérifierez, il a véritablement l'autre morceau du médaillon qu'a Casca. Je trouve ça adorable. Tu l'as déjà dit? Non, mais je vérifiais. Il l'a en broche. Confirmé. Il l'a en broche et pas en collier, c'est ça en fait. Elle est sympa cette petite île. Ouais, c'est ce que je me disais. On parle à Saïsan? Ah non, Mock Bob. Je suis en train de charger. Laissez-moi m'extasier quand je suis arrivé, c'est pour ça. Quelqu'un dans mon chat qui dit la cagite, elle balaye avec le notre plan d'assaut. Trop stylé. Elle épouse tête. C'est ça, les poussettes avec... Pourquoi c'est un plumeau? C'est trop... Oh, t'es trop classe comme ça, Crane. Laisse-moi juste prendre une photo. Vas-y. Oh, j'essaie de te cadrer bien. Quel touriste. Oh, figure de proue. Ah, j'avoue. C'est vrai que le...
Le bateau là, il est magnifique hein, au fond. Hein. Ah mais il est beau hein. On dirait les bateaux, les bateaux maquettes. Ah oui, c'est un bateau cagite quoi. C'est joli. Du coup, effectivement, c'est beau ici. Hein. C'est encore vat. Hein. Ça nous met la max. Hein. Du coup, allons-y. On peut parler à Saïsan. Allez. Saïsan, 3, 2, 1. D'après le navire Aken, nous ne sommes pas les seuls que cette île intéresse. C'est... Craig. Ah, moi ? Oui. Que voulez-vous faire à présent ? La garde du dragon avait un proverbe. Préparez votre riposte avant le coup. En d'autres termes, lorsqu'on vous attaque, préparez-vous à attaquer en retour. Je préférerais en outre diviser nos forces pour couvrir davantage de terrain. Et où voulez-vous que nous allions ? J'ai repéré une caverne au nord-est. Partez en reconnaissance, regardez où elle mène. Pendant ce temps, Casca, Aelia et moi chercherons l'entrée de ces ruines. Fouillez la caverne au nord-est, compris. Aelia, Casca, venez avec moi. Ne vous éloignez pas et préparez-vous à combattre. Je suis toujours prête à combattre, mais veillez sur la petite. Je sais me défendre, vous savez. Bah, elle a joué d'Assassin's Creed, donc elle sait se défendre. Elle a mis si peu de conviction. C'est ça, elle est tout est-ce droit sortie. Est-ce qu'on ne se quitterait pas là sur ce coucher de soleil ? Aucune idée, mais elle est tout droit sortie du Seigneur des Anneaux. Attends, se quitter avant d'ouvrir des caisses, t'as craqué. Bah, on vient d'en ouvrir il n'y a pas longtemps là. Et bah, ça fait assez longtemps. Dis le gars qui a 29 000 couronnes là. Bah oui, bah. C'était premier arrivé, allez, premier servi. Allez, j'ai ouvert. Récompense merveilleuse. Allez. Sauce, bah, nous chatons. Vous prenez que de la merde. C'est... Allez. Oh si. Acheter des récompenses avec les gemmes que vous obtiendrez. Le diadème du danseur du dragon. Ah, tiens, un bleu que j'avais pas. Qu'est-ce que c'est encore ça ? Je le matais juste avant. C'est un diadème, il est stylé. Moi, j'ai eu les marquages corporels de la danse des dragons. Du coup, une seule caisse ? Moi, j'ai eu que des nuls, Léopard Sunch. Ah, on peut en faire une autre pour la route. Une caisse. Allez. C'est zoom que fait Bob. Deuxième caisse. C'est la caisse. Non, mais je prends des photos. Tentez votre chance. Ouh, doré, elle est de parchemin. Oh non ! Oh, encore une bleue. La masse d'armes de la nouvelle lune. J'ai gagné un stand. Oh, j'ai une verte. J'ai la chance. J'ai le stench de la nouvelle lune. Bravo. Nice. Félicitations. Du coup... Pardon, désolé pour les oreilles. Je t'ai excité. Du coup, jamais 203 ou pas ? Ah, mais non. Bah ouais. On peut pas prendre la monture ici. Bah non, on peut pas. Mais du coup, ouais, j'en mets 203. Ouais. Bon, merci. On y va ? Allez. Là, je prends des photos et il manque. Il y a plus de grande attaque. Ah, une supplémentaire. Oh, elle est verte ! Encore ? Oh, elle est verte ! Mais. Attends, mais appelez la police, mon bol, je vais avoir la même. Appelez la police. Attention. Oh, le gouard de la nouvelle lune. Oh là là ! C'est le cul de cet homme ! En fait, il faut dire ouais, j'ai jamais rien et après tu chopes 3 montures. Alors que moi, je vois que vous êtes du coup, il faut rien avoir pendant un moment. Que de la merde. Bonne décision. Allez, je m'arrête là parce que j'ai récupéré que de la merde. Bon, bah, c'est une bonne fin, ça, c'est parfait. Écoute. You know what, good enough. Moi, je suis quand même content, j'ai récupéré du merdier. Commande de bois scellé, qu'est-ce que c'est que c'est ? Commande de couture, commande de forge scellée, mais je m'en fous. Ah, mais c'est des trucs que t'avais pas ouvert il y a longtemps. Oh non, mais c'est du coup, on fait des bisous à tout le monde sur la VOD. Ouais, on peut faire ça, on est bien beau. Est-ce que, en plus, il y a tous les gens qui se sont mis en ligne qui sont beaux. On peut pas prendre des montures ? Ah non, on peut pas prendre des montures ici. Non, on peut pas. Eh ben écoute, tous à bord du micro-bateau. L'activez pas. Juste. Voilà, voilà. Pour le, c'est pour le swag. C'est pour ça. Faites des trucs marrants. Démerdez-vous. Moi, je crache du feu. Jonglez. Moi je me repose. Moi je pousse. Ça c'est pas très marrant ça. Crying, ouais. Zombie. Je vais voir ce que ça faisait. Qu'est-ce que je peux faire là ? Ça, les torches. Ah, c'était marrant ça. Voilà. Voilà, c'est la max. Incroyable. Incroyable, voilà. C'est bon, je suis satisfait. Hey, t'as une citrouille trop classe. Moi c'est bon, hein. Je suis satisfait. J'en avais pas besoin de plus. Hein.
Le crâne qui est bourré, c'est parfait. Oh, c'est trop stylé. Comment il fait oh, ça? Oh, c'est beau ça. Ouah, ouah, ouah. Encore. Encore. Encore, encore, encore. Fais kikou. Oh là 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 là, il peint. Il peint le décor. Magnifique. C'est trop beau. Et ça, c'est beau. Magnifique. Et ça, c'est beau. C'est quoi, bon, allez, on va faire des bisous à tous les glouglous et à toutes les gens de toutes les communautés aussi. Bah merci pour cette soirée. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous, Bob. Des bisous, des as, des bisous. Bye. Et ciao, ciao, tout le monde. Un plaisir. Oh là 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 là. Max.